21h à Yaoundé au Cameroun, mesdames, messieurs, bonsoir. Peuple d'Afrique, je vous salue. République panafricaine, vous êtes sur l'instant exclusivement dédié à ce concept. Le panafricanisme dans tous ses états, c'est sur Info TV, chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. Et ce soir, justement pour être au cœur de l'actualité, nous allons évoquer des faits d'actualité d'ici et même d'ailleurs. Nous allons revenir sur l'allocution présidentielle du numéro 1 camerounais le 10 février 2024. Le chef de l'État, Paul Biya, s'est adressé à la République jeune. Et justement, sur bien des aspects et bien des égards, la sortie présidentielle suscite de nombreuses interrogations. Nous en parlons ce soir de cette communication présidentielle avec pour point d'interrogation la jeunesse. Le péril, y a-t-il un péril jeune au Cameroun? C'est notre interrogation ce soir sur cette tribune de Ouru Africa. Nous sortirons plus tard pour aller du côté du Sénégal. Le Sénégal qui est visiblement en difficulté. Le président Macky Sall a décidé via l'Assemblée nationale de proroger le mandat présidentiel, on peut le dire comme ça, avec ce report de l'élection qui était prévu le 25 février. Désormais, elle sera le 15 décembre 2024, suscitant, vous le savez très bien, la colère d'une bonne partie de l'opposition sénégalaise, suscitant le courroux de la jeunesse sénégalaise qui n'a pas tardé à descendre dans la rue pour justement manifester son mécontentement. Le Sénégal se retrouve dans les feux de braise. Et ce soir, nous allons parler de ce président sous la braise, sous les braises même, je veux dire, le président Macky Sall, lui qui hier encore était contre tout report d'élection. Aujourd'hui, il semble rattrapé par les réalités politiques de son pays. Nous en parlons ce soir sur le plateau de Ouru Africa, votre programme exclusivement panafricaniste sur Info TV. Vous aurez dans quelques minutes l'opportunité de réagir à ce qui sera dit sur ce plateau. Mesdames, messieurs, une fois de plus, bonsoir et à tout de suite. Retour sur le plateau de Ouru Africa pour l'Odyssée panafricaine chaque lundi lorsqu'il est 21h, je l'ai dit, à Yaoundé, au Cameroun. Et pour ce faire, pour justement décrypter toutes ces actualités avec le ferment panafricain sous le prisme panafricain, nous avons convié sur cette agora de réflexion quatre invités que vous connaissez déjà pour la plupart. Alors, je vais commencer par l'expert en politique de gouvernance, M. Bawa Bouba, qui, une fois de plus, nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Stéphane Barga, M. Barga. Bonsoir à tous mes copanélistes, qu'on vous laisse le soin de les présenter. Bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. À tous nos millions de téléspectateurs et particulièrement à ceux qui se battent pour la souveraineté du Cameroun. Et je pense que à chaque fois que je prendrai la parole, c'est pour défendre cette souveraineté-là. Je ne défendrai aucun parti politique parce que je n'en fais pas partie. Pour la simple raison que ces partis politiques ne travaillent pas pour le développement de la jeunesse, mais pour le développement d'une minorité.
Merci, Baba Bouba, pour votre introduction. Je m'en vais tout de suite vers mon extrême droite avec un visage, un pilier, un poids lourd de Ouro Africa. Antoine Awana, comment vous présenter? Vous êtes expert en bien des domaines, mais vous êtes surtout un homme fort de Ouro Africa. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à tous mes copanélistes que vous aurez l'amabilité et l'amitié de présenter. Bonsoir à vos millions et milliers de téléspectateurs à travers le monde. Oui. Bonsoir à nos techniciens, hein, parce que ceux-là sont cachés derrière les appareils, mais sans lesquels nous ne pouvons pas être vus et regardés et écoutés. Je leur traduis toutes mes amitiés. Bonsoir à Madame Marga, qui a une Namgal 2, dont le petit village ressemble au mien. Il n'y a ni eau, ni électricité. Les aveugles conduisent d'autres aveugles. Mais par moments, cette population regarde un peu Info TV. Je vais dire bonsoir à toute la jeunesse camerounaise, une jeunesse qui se bat, volens nolens, c'est-à-dire bon gré mal gré. Je dis particulièrement bonsoir à cette jeunesse qui a été sacrifiée, dont je fais partie, des effectifs depuis 1986, avec le fameux discours de M. Paul Biya au quartier général de Yaoundé. Aucun recrutement dans aucune administration jusqu'à nouvel ordre. On a mis 3 millions de jeunes en chômage jusqu'à présent. Vous allez voir des maîtrisards, des licenciés qui vendent la tomate au marché central, les oignons et autres, ils sont là, sacrifiés. On n'en parle plus. Quand on dit le recrutement reprend, vous êtes vieux. C'est le FMI. Lorsque je l'ai dit, Stéphane, avec votre permission, je voudrais vous demander très humblement de traduire ou de transmettre toutes mes amitiés au top management d'Info TV. J'ai nommé le PDG Dieudonné Mweng. Il nous regarde, il nous écoute. Je lui dis, il faut toujours continuer. Mettre sur pied un instrument de communication comme celui-ci, il faut du temps, il faut des moyens, il faut des sacrifices, il faut de l'abnégation. Alors PDG, restez, ne descendez jamais sur la base polémique. Restez toujours zen. Merci Antoine Awana pour vos mots aimables à l'endroit du top management de Info TV et même du groupe La Météo, parce que c'est un groupe. C'est un groupe de presse, télévision, oui. Presse, Info Matin, La Météo. Donc c'est une grande entreprise bien structurée. Et qui est humainement bon. Donc, humainement bon. Je poursuis la phase dédiée aux présentations avec un confrère sur le plateau. Il est éminemment politique, il est aussi panafricaniste. Sa plume, il s'en sert souvent pour titiller parfois certains esprits néocoloniaux. Simon Messinger, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir particulier au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui aura un an de plus demain 13 février. Il aura quel âge? 91 ans. 91 ans. Oui, 91 ans. Officiel ou officier? C'est pas un débat à Donna. Nous disons 91 ans. 11 ans, comme le dit Simon Messinger. C'est une grâce. C'est une grande grâce, je préfère le dire, pour le Cameroun. Et nous le voulons encore pour plus de 20 ans. Merci. Merci Simon Messinger pour vos mots, c'est des mots qui créent, qui détendent l'ambiance sur ce plateau. Merci d'être présent. Nous allons passer la parole à un autre pilier de cette émission, Paul Stéphane Mwenga. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir particulièrement à la population de Nanga et Boko, qui souffre énormément. Pour quelle raison? Il n'y a pas de lumière en Nanga. Ah oui. Et vous faites quoi les électeurs? Permettez qu'il passe, c'est important. Et Nanga et Boko est sans électricité. Je parle de Nanga et Boko en connaissance de cause. Oui. Les problèmes que j'ai laissés à Nanga et Boko quand je faisais le lycée,
les mêmes problèmes existent toujours. Parce que je me rappelle que j'ai eu mon probatoire avec la lampe tempête. Oui. J'étais obligé de venir à Yaoundé, dire à maman que vraiment, dans ton village où tu m'as envoyé là, parce que c'est le village de ma maman, il n'y a pas de lumière. Et on est parti au marché m'acheter une grosse lampe tempête. Oui. Parce que parfois, on coupait la lumière, vous faites 6 mois dans le noir. C'est le cas encore aujourd'hui. C'est le cas encore aujourd'hui. C'est toujours le cas, puisque je sors d'un deuil. Oui. C'est pour ça que je les salue, qu'ils continuent à donner 99% sans demander les comptes. Il n'y a pas, vous arrivez là-bas, oui. Il n'y a pas de lumière et ils se sont même déjà adaptés, donc ils sont déjà habitués. Ça veut dire que maintenant, tout le monde en Nanga et Boko a payé ce qu'on appelle les lampes solaires. Oui. Tout le monde dépose ça dehors en journée pour que le soleil essaie un peu de recharger parce que dans la nuit, il va falloir allumer ça. Et quand on vous envoie la lumière, c'est pour 30 minutes pour que vous puissiez recharger votre téléphone. Oui. Ou alors vous cherchez là où il y a les groupes électrogènes. Donc j'ai envie de leur dire qu'ils sont responsables de ce qui leur arrive. Et je le dis toujours, parce qu'ils sont les premiers à chasser l'opposition dans leur localité. Parce que quand il n'y a pas de concurrence politique, on vous gère comme on veut. Parce que quand vous allez quand même à Nanga et Boko, et ça je le dis, il vous est difficile de parler de l'opposition ou de penser même implanter un parti d'opposition parce que le préfet va intervenir, le sous-préfet va intervenir en ce qui concerne vos meetings et il se retrouve donc dans la situation où il se retrouve. Donc vraiment, félicitations population de Nanga et Boko. Continuez à donner 99% alors que vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de lumière, vos enfants chôment et les enfants et quelques élites mettent leurs enfants à l'ENA mais vous pensez que vous détenez le pays. Félicitations le pays co-organisateur. Merci Paul Stéphane Manunga. On va rester attentif. On ne va pas prêter d'intention à l'autorité administrative parce que on attend évidemment qu'il y ait une démarche de l'opposition et voir comment la démarche est annulée par le préfet ou le sous-préfet. C'est un autre débat. On ne l'ouvre pas ici. Ce qui nous interpelle ce soir, c'est l'allocution présidentielle du président Paul Biya le 10 février à la jeunesse, jeunesse du Cameroun, jeunesse d'Nanga et Boko aussi, qui justement semble être accablée par beaucoup de difficultés et par beaucoup de malheurs. Alors, Monsieur Bawara, je me tourne vers vous pour commencer. Alors, vous avez suivi le numéro 1 camerounais qui s'adressait aux jeunes. Quelle a été votre perception de cette allocution? Avez-vous trouvé un président dynamique, un président avant-gardiste qui a un plan pour cette jeunesse-là? Ou alors, vous avez eu l'impression, comme beaucoup, qu'on était dans des redites adossées à un peu d'actualité? Pour nous, les souverainistes, l'intelligentsia du RDPC, les cadres, les meilleurs cadres politiques du RDPC ont fait tenir au président Biya un discours qui ment au peuple. C'est un discours qui ment au peuple, pourquoi? Parce que pour nous, les experts en politique, aucun parti politique néolibéral ne peut répondre aux aspirations de la jeunesse africaine. Et je le dis à haute et intelligible voix, et je mets tous les politologues au défi. Si un parti politique néolibéral peut développer un pays africain, la jeunesse camerounaise, comme la jeunesse africaine, est comme cette dame dans un foyer qui, lorsque son mari est venu la chercher, lui est promis mont et merveille. Il va la développer, il va lui acheter une voiture, il va la conduire au restaurant pendant qu'il a 100 000 francs de salaire. La dame, après avoir donc épousé ce monsieur et au foyer, constate la réalité. Autour d'elle se trouve un prétendu amant qui voudrait qu'elle quitte son foyer pour lui. Parce qu'il lui promet également mont et merveille. Malheureusement, il se rend compte qu'il a aussi le même revenu. Donc, c'est aussi un patenté menteur. La jeunesse est dans cette condition-là. Ici, la femme du foyer, c'est la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise. Le premier mari, c'est le RDPC pour le Cameroun. Son salaire de 100 000 francs,
C'est son modèle. Je te précise, c'est pas le président du RDPC qui s'adressait à la jeunesse, c'est le chef de l'État camerounais de façon traditionnelle qui prend la parole chaque 10 février pour s'adresser à la jeunesse du Cameroun. Je n'ai pas cru déceler en sa posture ou ses postures le fait qu'il soit le président du RDPC. Je sais pourquoi je dis ça. Et le salaire de 100 000 francs, c'est le modèle de gouvernance du parti. L'amant qui tourne autour de cette dame, ce sont les partis politiques d'opposition d'alternance. Ils n'ont que aussi pour modèle de gouvernance le néolibéralisme. Et donc, regardons-nous en face. Il va donc falloir tenir un autre langage. Parce que la dame aurait pu dire, comme toi tu veux me développer, pratique d'abord le développement. C'est-à-dire, avant de m'épouser, et dans cette voiture, et dans ce niveau de vie, moi je vois d'abord avant d'y aller vers toi. Évidemment, le développement se pratique. Ce n'est pas une promesse. Quand on ne veut pas le pouvoir, on pratique le développement. Et non, on promet le développement. C'est là où je voudrais que le débat soit ouvert un jour. Merci, Monsieur Bawa. Antoine Awana, le président a parlé, mais les jeunes que nous avons pu interroger, grand à vous-même, à la rédaction centrale d'Info TV, qui est allée tout de suite au contact de cette jeunesse, semble pour le moins dubitatif. Et justement, il se questionne sur la véracité des promesses présidentielles, mais voudrait aussi un bilan par rapport à ce qui a été promis. Il y a un fameux plan triennal spécial jeune 2016. Qui, à date, on nous parle de 20 milliards de francs CFA consommés, mais les jeunes s'interrogent quelle direction a pris cet argent. Stéphane Barga, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Vous n'allez pas pleurer sur ce plateau. Je crois que j'ai risqué de pleurer, franchement, sur ce plateau, parce que quand vous suivez ces discours, moi je l'ai suivi de bout en bout. Il y a tellement des incohérences, il y a tellement de contradictions par rapport à la réalité objective. Oui. Parce que le président s'adresse aux Camerounais comme si nous ne vivons pas au Cameroun. Nous sommes au Cameroun et on voit la réalité. Ça veut dire que le président Feu Ahmed Sékou Touré, j'aime toujours le citer, disait que il faut considérer l'homme par ce qu'il dit. Il faut aussi le considérer par ce qu'il fait. Si vous voyez une opposition entre le fait et le dire, considérez le fait. Qu'est-ce que M. Biya fait pour les jeunes? Le problème du plan triennal, insertion jeune, je crois qu'on a fait une émission ici. Il faut donner les chiffres, on avait parlé de 102 milliards. J'en viens, Stéphane. On a fait une émission vendredi le 9, espace miné, avec votre collègue parfait ici. Oui. J'ai posé ce problème. J'ai dit, le plan triennal insertion jeune de 2016, on a mis à disposition 102 milliards de francs CFA. J'ai dit bien 102 milliards. Alors, les emplois qui ont été créés, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Parce que moi, je suis un homme concret. Hein. Je suis un homme très, très, très concret. Je ne vois pas. Vous allez venir nous pomper des chiffres et quand M. Biya arrive sur le plateau de télévision, et vous, il dit au Camerounais qu'il a créé, je crois, 1200 emplois. Moi, je vais voir le type d'emploi et qui ont été recrutés. Les qui ont été recrutés. Les jeunes, le chômage des jeunes, ça va crescendo. Oui. Et dans tous les domaines. Et dans tous les domaines, ces enfants sont là. Ils sont à la traîne. On leur apprend à fumer la chicha, je l'ai dit, vendredi. Les enfants sont là sur le football. On a dit, bon, même au niveau de l'école, Marga, ce qui est encore plus grave, c'est que ceux qui sont à l'université, les soutenants des thèses de doctorat sont arrêtés, suspendus jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce que ces enfants vont faire? Résultat de compte, évasion au Canada. Oui. Ils s'en vont. Le chef de l'État l'a déploré. Il a déploré, mais qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les mécanismes, les moyens qu'il met en œuvre pour qu'il n'y ait pas cet exode-là? Quand un ministre de l'enseignement supérieur dit, et il dit qu'il assume, qu'il n'y a plus la suspension des soutenances dans les universités d'État au Cameroun. Vous attendez à quoi? Voilà une masse
des mécontents qu'on est en train de jeter dans la rue. Et vous voulez que ces gens fassent quoi? Peut-être le ministre d'État a exprimé une situation ponctuelle. Mais puis, quand il faisait son agrégation, si on lui interdisait de le faire, il allait faire comment? Mais lui, il a fréquenté. Ses enfants ne sont pas au Cameroun. Donc, ils ne sont même pas concernés par cette mesure-là. Vous voyez les injustices? Vous voyez les injustices? Les enfants fréquentent ailleurs. Aux États-Unis, à Manhattan, à Harvard, partout, ils sont là-bas. Non, attention, je suis en droit, en tant que citoyen camerounais, de lui faire un procès. Parce que on lui a donné mandat de servir le peuple camerounais et non de se servir. Et de ne pas de libérer le peuple et non pas de l'avilir. Les jeunes là, attends un peu Stéphane Barga, vous êtes jeune. Moi, nous on est des vieillards. Nous on a été victimes du discours de Paul Biya, je le dis toujours depuis 2015, sur les plateaux de télévision. Aucun recrutement dans aucune administration, 3 millions de jeunes à la traîne. Nous sommes devenus ce qu'on appelle des vrais combattants, des self-made men. Vous comprenez un peu? Mais il faut voir, je peux vous. Allez au marché central, c'est déplorable. Vous avez des intellectuels qui sont à la traîne là-bas. Mais tout ce monde là, ils ont constitué un petit écosystème politique vrai et qui tourne autour des amis de M. Biya. Disons-le pour le déplorer. Mais ils ont un mandat populaire. Ils doivent rendre compte au peuple camerounais. Mais ils sont là. Tout se passe comme s'ils n'avaient de compte à rendre à personne. Ils prennent des décisions à l'emporte-pièce. Ils les appliquent. Et puis, d'autres, Stéphane, ce qui est encore plus grave, c'est que d'autres disent, mais si vous essayez de lever le petit doigt, vous allez vous retrouver dans un pays, je ne sais comment on l'a qualifié. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit gouverner un peuple? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit diriger un peuple? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit travailler? Non pour l'intérêt général du peuple qui vous a investi le mandat, mais vous vous servez vous-même. C'est pour cela que le père Angel Venver, père à son âme, disait le Cameroun c'est la république du pas possible. C'est vraiment pas possible. Parce que ce qui se passe au Cameroun, on ne rencontre pas ça. Merci. Donc vraiment à l'entente de mes propos, nous allons aller en profondeur. Oui. Parce que je vais prendre un volet très dangereux qui menace même l'existence des jeunes, l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés. On a fait sur ce temps pour nous de prendre l'avis de Simon Messengue. Alors, Simon Messengue, le président Paul Biya déclare le 10 février qu'il sait compter sur sa jeunesse et que cette jeunesse-là aussi sait compter sur lui. Mais on a l'impression que l'amour entre le numéro 1 camerounais et sa jeunesse tend à se dissoudre un peu. On trouve des jeunes de plus en plus révoltés contre la gouvernance, contre la politique, et qui parfois n'ont autre issue de sortie, malheureusement, que l'exil. Le président l'a dit, l'a déploré, que beaucoup trop de jeunes s'en vont vers le Canada, et tant pis pour cela, parce que d'autres prendraient la place au Cameroun. Oui, Stéphane, moi, j'ai suivi le discours du président de la République dimanche dernier. Et pour moi, c'était un discours adapté au contexte. C'était un discours qui cadrait mieux avec les réalités de la jeunesse. Et évidemment, ce discours m'a beaucoup intéressé. Intéressé dans la mesure où j'ai retenu deux choses. J'ai retenu que le président de la République était conseiller et exhortait la jeune génération héritière du legs Cameroun de prendre à bras le corps les mécanismes d'import-substitution. Oui. Il faut le dire aujourd'hui, beaucoup de choses m'amènent à penser que les jeunes doivent beaucoup suivre leur président. Il faut parfois arrêter de suivre les personnes agitées qui font dans le populisme et qui vous disent que le Cameroun, c'est l'enfer sur terre. Voilà. Et évidemment que le reste est ailleurs. Alors, argument contre argument, qu'est-ce que vous présentez à cette jeunesse-là qui ne veut que partir, Simon Messengue? Un instant. Le péril jeune dont on parle, est-il fictif ou est-il réel? Le péril jeune, c'est la une d'un journal qui aujourd'hui peut chanter les louanges du président et demain, dès qu'il n'a pas l'argent, il vous dit le contraire. C'est ce journal, je connais très bien. Mais je voudrais dire que
Parlons de l'impôt substitution. Avant, je voudrais revenir sur un aspect. Vous savez, dans les années 2000-2001, quand j'étais encore, je sortais du lycée pour aller à l'université, pour manger le poulet, c'était difficile. Le poulet était importé. Oui. Quasiment 90% du poulet était importé. Le gouvernement avait lancé une opération qui s'assimilait à l'impôt substitution. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Stéphane Barga, 10 ménages qui mangent du poulet, 9 et demi. Ah, c'est moi, mais écoutez, rapport avec la jeunesse. Vous comprenez très bien, là où je vais en venir, vous comprenez très bien, parce que si vous survolez les choses, alors vous n'aidez pas cette jeunesse, vous les garez plutôt. Le président a dit, maintenant, il est pour nous l'occasion de disséquer cela, en prenant des illustrations qu'ils connaissent dans le pays dans lequel ils vivent. Oui. C'est ça le truc. Je suis en train de dire aujourd'hui que ceux qui m'écoutent savent que le Cameroun importe pratiquement 5 à 6% de poulet. Alors qu'il y a 10 ans aujourd'hui, 15 ans aujourd'hui, vous l'avez dit. Et ça, c'est la révolution des jeunes menée par le gouvernement que certains veulent flageller aujourd'hui. Et donc, le président revient aujourd'hui pour vous dire que nous devons aujourd'hui, plus que jamais, nous accrocher à l'impôt substitution. L'impôt substitution, c'est quoi? L'impôt substitution, c'est le fait de produire. Oui. Ce que hier, nous étions en train d'importer. Et donc, produire cela pour limiter, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi une crise de devises. C'est-à-dire que quand nous importons, par exemple... Ah, Simon, mais c'est un impôt substitution. Oui, à la problématique des jeunes. Oui, effectivement. Oui, premièrement, l'auto-emploi. Premièrement, l'auto-emploi. Je vous rappelle aujourd'hui que j'ai suivi, aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de flageller le gouvernement, j'ai suivi hier dans une chaîne concurrente à vous, une chaîne étrangère, on parlait du cacao. Les Occidentaux se plaignent de ce que le chocolat coûte très cher. Et donc que le cacao explose dans le marché. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, le Cameroun est le troisième producteur mondial de cacao. Et donc il est quitté du cinquième au troisième. C'est une révolution. Nous étions cinquième. Il y a pratiquement 7 ou 8 ans aujourd'hui, nous sommes troisième. Et dites-vous bien une chose, le cacao, c'est 2500 francs le kilogramme aujourd'hui. C'est une niche d'emploi. Et l'inflation. Alors, écoutez, c'est une niche d'emploi. Et surtout qu'on transforme pratiquement déjà 30% des fermes de cacao au Cameroun. Donc il y a un début des années qui a commencé. Donc, quand un président de la République, du haut de son âge, parle à ses concitoyens. Certains disaient qu'il ment. Nous sommes dans un pays sérieux ou quoi? Et il faut qu'on se comprenne parfois. Lui-même. Il nous dit, lui qui tient les rênes de ce pays, il nous dit que voilà là où nous devons aller. Le président n'a jamais menti. Jamais, grand jamais. Dernièrement, c'était la Covid. Ces mêmes agités qui ont en train de dire, oh, c'est grave, on va tous mourir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, calmons-nous, nous allons sortir de là. Nous ne sommes pas sortis. En détournant. Il faut qu'aujourd'hui, on soit honnête avec les jeunes. J'ai l'impression que certains, comme ils n'ont pas eu les mêmes chances que ceux qui ont aujourd'hui, ils veulent amener les jeunes aujourd'hui à ne pas s'intéresser à leur pays, à s'intéresser à autre chose. Je parle au cas de l'immigration clandestine que le président de la République décrit aujourd'hui, Stéphane Barga. Vous avez quelqu'un pour aller au Canada, il faut avoir moins 15 millions de francs CFA. Non, c'est pas vrai, c'est mon métier. Je vous le dis, il faut avoir 15 millions de francs. C'est ce chiffre exagéré, on vous le dit aussi. Bon, au Canada, c'est pas 5 millions. Votre chiffre, c'est quoi? Je vais entendre votre chiffre. Minimalement, 5 à 6 millions. Bon, minimalement. D'accord, 5 à 6 millions. D'accord, il n'y a pas de problème. 5 à 6 millions. Créer une entreprise, c'est 54 000 francs CFA. Non. En deux jours. Non, c'est 141 000 francs au guichet unique, après la radio. Écoutez, créer une salle. Monsieur Arana, une société à responsabilité. L'établissement, ça coûte combien? C'est toujours 54 000 francs. Non, c'est 144 000. Je vous mets des vies. C'est un unité unique. Vous dites, on ne peut pas les valider. Plus 14 000 francs de publicité. Sont dans la flagellation et ils croient pouvoir faire du bien aux jeunes alors qu'il est
tourne en déroute. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce que, disons-nous une chose. Y a-t-il pas quand même beaucoup de promesses non tenues par le gouvernement à la justice du Cameroun? Écoutez, le plan général spécial, je ne connais pas. D'accord, très bien. Je suis dans le regret. Dans le regret que, justement, le ministère en charge de ce plan triennal jeune ne communique pas beaucoup sur ce qui a été fait. Et la faute est à qui? Écoutez, j'ai dit ceci, nous ne sommes pas dans un ping-pong. Nous sommes en train de poser nous sommes en train d'échanger. Celui qui pose la question, dans la logique de faire comprendre à l'opinion ce qu'il en est. Effectivement, le plan triennal jeune qui était de 102 milliards de francs CFA depuis 2016, parce qu'on dit, quand on entend 102 milliards, je comprends très bien que quand il prend la parole, c'est parfois cela, mais c'est pas grave. Je suis en train de dire ceci. Quand on dit 102 milliards, on n'a pas déposé tout cet argent. Il faut qu'on le sache. C'est que on le met par dose homéopathique. Et jusqu'ici, on a mis plus de 20 milliards de francs CFA. Ils sont partis. Et donc, justement, Stéphane, vous êtes journaliste. Faites une enquête. Le problème aujourd'hui aussi, c'est que les médias posent des problèmes. On attend une enquête. Justement, vous êtes en droit de faire une enquête pour faire le bilan des 20, vu que c'est là, et afin de faire l'impression avec ce que le président dit. C'est de ça dont il est question. Mais je peux vous dire que moi, j'ai fait une enquête. On va me dire que bon, je suis partisan. Mais l'enquête que j'ai faite m'a montré que beaucoup de choses ont été faites. Merci. Dans le centre d'agriculture. Merci, Simon. Maintenant, disons une chose. Je reviens vers vous. Paul Stéphane Menungavas va prendre la parole aussi. C'est pas un entretien avec Simon Messengui ce soir. Paul Stéphane Menunga, la jeunesse semble pour le moins confuse. Et les promesses non tenues s'amoncellent justement sur le dos de cette jeunesse-là. Elle s'en va vers le Canada. Le chef d'État le déplore. Le chef d'État aussi cite des modèles qui parfois créent encore plus de confusion quant au modus operandi de ces modèles. Francis Ngannou est célébré par le numéro 1 camerounais, mais c'est le même numéro 1 camerounais qui estime qu'il ne faudrait pas aller vers une immigration clandestine. Quel paradoxe, Paul Stéphane Menunga. Non, il y a beaucoup de contradictions dans le discours du président de la République. Tout à fait. Parce que quand il dit parti, à quel prix? J'ai envie de lui demander rester à quel prix? Parce que si il pose la question de partir à quel prix, il ne doit pas parler de Francis Ngannou. Parce que Francis Ngannou est parti par le chemin qu'il est en train de fustiger. C'est déjà un paradoxe. Oui. Et pour citer Francis Ngannou en exemple, il faudrait que lui nous montre comment il a structuré le sport que Francis Ngannou pratique. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas structuré ce sport. Mais il cite Francis Ngannou en héros. Mais il y a quand même lui, là. Faut laisser les blagues de ce pays. Je veux continuer en disant que personne ne flagelle le gouvernement. C'est le gouvernement qui s'auto-flagelle. Parce que c'est vrai, le président ne manque pas. C'est impoli de le dire, mais il se trompe trop. C'est lui qui nous a dit que le Cameroun sera prêt le jour dit. Et il nous a dit que la canne a glissé. Par politesse, on ne va pas dire que c'est un mensonge. Il s'est trompé. C'est lui qui nous a parlé de la santé pour tous. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas vous soigner. C'est lui qui a dit que l'éducation est gratuite. Aujourd'hui, l'école primaire publique coûte plus cher que quand on payait. Moi, à l'époque, quand je fréquentais... Vous croyez à ça, que c'est faisable? Permettez-moi de m'écouter. C'est le président de la République qui a dit que l'école primaire publique doit être gratuite au Cameroun. Mais aujourd'hui, elle coûte plus cher que quand on la payait. À l'époque, quand je fréquentais, mon père dépensait 2500 toute une année scolaire. Il m'inscrivait à 1000 francs et le 11 février, il me payait le tricot pour le défilé, 1500. Voilà tout ce que mon père déboursait pour que j'aille à l'école publique. On vous a entendu, Paul Stéphane Menunga. Et j'avance donc en disant que beaucoup de paradoxes parce que le président aujourd'hui fait un peu ce qu'il a fait dans les politiques d'émergence qu'il a avancé. Il vous parle aujourd'hui d'un plan triennal d'import substitution. Il a d'abord fait l'évaluation du plan triennal spécial jeune. Il vous a donné les résultats un jour. Que voilà, j'ai dit que le plan triennal spécial jeune, voilà ce que je veux faire. Voilà
ce que j'ai injecté dans le plan triennal spécial jeune, voilà ce que ça a produit, voilà les résultats. Il n'a jamais fait le bilan de son plan triennal spécial jeune. On ne sait même pas exactement où on en est. Et je vais poursuivre en disant que dans un pays sérieux, le président ne devrait pas évoquer la fonction publique quand on parle de la création des emplois. Parce qu'on crée ce qui n'existe pas. Le recrutement dans la fonction publique n'est pas la création d'un emploi. On crée l'emploi quand on a créé une entreprise et parce qu'on a créé ce qui n'existait pas. C'est ça la création de l'emploi. Et je vais peut-être sortir pour mon premier jet en disant que quand vous analysez bien le Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le véritable problème du Cameroun, c'est qu'on a un système politique qui est extraverti. Ça fait donc qu'on a une économie extravertie. Parce que l'espoir substitution qu'on veut vanter aujourd'hui n'est pas né avec Paul Biya. C'est depuis Aïdjo qu'on parle d'import substitution. Mais on est où avec cette... Mais sur le président Aïdjo, on parlait de plan quinquennaux. Dans le plan quinquennaux, justement, il y avait un programme d'import substitution. Parce que vous ne pouvez pas vous développer en important tout. C'est ça le véritable problème. Dans tous les plans quinquennaux, et le dernier plan quinquennal où se retrouvait justement l'import substitution, c'est le plan quinquennal de 86 avant la crise économique, et c'est même le dernier plan quinquennal qui avait été mis en exécution. C'est pour dire qu'en réalité, on n'invente pas l'import substitution. Mais questionner dans le contenu, ou le contenu du projet d'import substitution, est-ce que vous pensez que les gens qui n'ont pas pu implémenter le DSE, qui sont incapables d'implémenter la SND 30, qui ont échoué avec le projet triennal spécial jeune, ce sont ces mêmes personnes qui vont implémenter le projet d'import substitution. J'ai envie de dire qu'on se trompe énormément parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On est quand même dans un pays où on importe beaucoup du riz, on importe beaucoup du poisson, on importe beaucoup de blé, et on vous parle d'import substitution, alors que ceux qui vous parlent d'import substitution sont les premiers à acheter les meubles du ministère en Turquie. Sont les premiers à acheter les costumes en Thaïlande. Merci. Sont les premiers à acheter les bergers allemands, les chiens chinois et les montres américaines. J'ai envie de demander de qui se moque-t-on dans ce pays. Merci Paul-Stéphane Mounounga. De qui se moque-t-on? Peut-être pas spécifiquement de la jeunesse, Monsieur Bawa. Vous avez une ambition, une vision quant à l'émergence économique de cette jeunesse. Alors, est-ce que vous avez retrouvé dans le discours présidentiel les ingrédients qui peuvent amener à penser que, justement, la jeunesse du Cameroun est celle-là, conduite par un capitaine qui comprend le monde dans lequel il se trouve aujourd'hui et qui peut encore porter cette dynamique d'émergence-là, bien qu'elle ait été promise en 2035? Non, un chef d'État, lui seul, ne peut pas satisfaire la demande de toute une jeunesse. D'autant plus qu'il est même un employé de cette population-là. Le mal, c'est que nous tous, tous les partis politiques, quand je dis il y a de mensonges, c'est le mensonge des partis politiques. Tous sont des menteurs parce qu'ils sont néolibéraux. Imaginez pourquoi la jeunesse préfère quitter avec 7 millions, 10 millions pour aller à l'étranger. S'il y avait une seule banque tenue par un seul parti politique ou une mairie, qui donnait 30% d'intérêt au dépôt des Camerounais. Avec 10 millions, vous aurez 300 000 francs de bénéfices chaque mois. Aucun ne partirait avec 10 millions. Vous avez MRC. Pareil, néolibéral ne peut pas vous fructifier votre argent. PCRN. Pareil, ne peuvent pas fructifier votre argent. RDPC, pareil, ne peuvent pas fructifier. Je vais parler de tous les partis politiques africains. Vous ne maîtrisez pas leur idéologie, Monsieur Bawa. Ils ne sont pas présents, on ne va pas leur faire des procès sur la vision stratégique qui est celle de leur formation politique. La prochaine fois, on conviendra qu'il y ait un représentant du PCRN. Ils sont accessibles, ils vont réagir sur les fragments idéologiques qui sont les leurs sur le plan économique. Je suis expert en politique de gouvernance. Merci. Là, je connais lire tous les projets politiques de tous les partis politiques en Afrique. Je parle de tous les partis politiques en Afrique. Ils sont des néolibéraux. Ne veulent pas fructifier les avoirs du peuple. C'est ça le néolibéralisme.
Ils veulent seulement fructifier les avoirs de quelques individus. Il faut savoir faire le bon diagnostic. Bouba, si on ne sait pas faire le bon diagnostic, s'il te plaît, vous allez tourner en rond en déshabillant Saint-Pierre pour réhabiller Saint-Paul. Bouba, il y a quelle banque au Cameroun qui peut impulser le développement? Et c'est le RDC seul qui doit créer cette banque. Nous débarrasser de notre mentalité individualiste. C'est pas une question de mentalité. Pour pouvoir c'est créer système, quel parallèle avec la jeunesse. Mais la jeunesse des emplois. C'est la jeunesse qui veut même créer les emplois. C'est la jeunesse qui on a suspendu les emplois. Encouragé l'initiative privée. Alors il faut donner des moyens aux jeunes pour créer des emplois. Merci pour créer des entreprises. Merci à toi. Toutes ces banques-là, ce sont des banques voyous. Néolibérales. Voyous. Néolibérales. Voyous. Mais vous voulez dire quoi, s'il vous plaît? On n'a pas fait. Parce que c'est néolibéral et c'est voyous. Monsieur Bawa, c'est un bon débat, hein. S'il vous plaît, je reprends. Permettez que je reprenne ma parole ce soir. Oui. Justement, il faudrait pour que ceux qui nous écoutent, et ils sont nombreux, vous le savez d'ailleurs, puissent tirer quelque chose de ce qui est dit sur ce plateau. Alors, le thème, c'est Cameroun, deux points. Péril jeune, on s'interroge et on prend pour prétexte support éditorial cette communication présidentielle. Alors, on veut bien comprendre qu'il y a un parallèle entre le financement jeune et certaines banques, mais on ne va pas toutes les banques camerounaises, des banques voyous. Oui, je le dis. Et on peut dire quand même un lexique avec des preuves palpables. Qui rassure. Avec des preuves palpables. Moi, j'en suis victime, hein. Monsieur, voilà. Un lexique qui rassure. Tous ceux qui veulent investir au Cameroun, qu'ils auront en face d'eux des interlocuteurs sérieux. S'il vous plaît, on n'est pas là aussi pour justement ternir ou alors pervertir l'image d'une réalité camerounaise qui n'est pas la meilleure, mais qui n'est pas la pire. Je vous remets votre parole. Vous voyez pourquoi la jeunesse est mal partie. Quand on insulte les RDPC voyous, on applaudit. Quand on dit les banques voyous, on dit non, ce n'est pas bon. Mais quand nous n'arrivons pas à nous développer, la première raison fondamentale pour nous les experts, c'est le fait que vos banques ne fructifient pas vos avoirs. Si on ne comprend pas ça, on n'a pas été à l'école de l'économie universitaire. Soyons sérieux. Je vous dis que les gens préfèrent quitter le Cameroun avec 10 millions parce que nous avons une mentalité d'homme individualiste, chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand vous voyez l'argent d'un déposant, vous lui donnez 5% d'intérêt lent. Pendant que vous vendez ça à 35%, vous mettez dans votre poche, vous les individus. Et c'est ça la raison fondamentale du sous-développement. Et vous portez tout ça sur le RDPC. Et parfois, on bloque tout. Hein? Et tous les pays africains, là, ont à la tête le RDPC. Tous les pays africains sont sous-développés. Et il y a une seule cause, le néolibéralisme. Merci. Que nous ne voulons jamais évoquer. Merci, monsieur Bawa. On va rapidement faire parler ceux qui nous regardent à travers le monde. Et ils sont évidemment nombreux ce soir encore. Bonsoir à vous sur le plateau. Juste étayer sur les frais à débourser au centre de formalité de création d'entreprise. PME, la somme totale est de 41 500 francs CFA. Ventilé ainsi. 21 500 pour l'immatriculation. Vous n'allez pas appeler, s'il vous plaît. 21 500 pour l'immatriculation ORCCM et 20 000 timbres droit d'enregistrement. Ici, je suis maître à l'image. Je profite pour dire aux panélistes de faire des analyses et critiques objectives s'ils veulent être véritablement au service des jeunes. Oui, merci. Et les droits de timbres des statuts, il a mis ça où? C'est lui qui parle là. Les statuts, comment là au guichet, il dit. Oh, le terme, c'est 1500. Il a mis ça. Si les statuts ont 40 pages, multiplié par 1500, ça fait combien? Je reviens dans ça. Je reviens dans vous. Il ne faut pas qu'il fasse qu'il vienne tenir l'engrenage de bois ici. Je suis l'homme du terrain. Hein. Merci. Permettez que je relève la contribution. Bonsoir, plateau de Info TV. Concernant le discours du président Biya, Paul, moi, je dis que c'est une formalité qu'il doit remplir chaque 10 février. Puisque ça ne sert à rien de faire un discours en 2020, demander à la jeunesse de s'adapter à un système en 2021, il n'insiste pas là-dessus. Même chose en 2022, 2023 et 2024. Chaque année, il change de discours. Finalement, il nous embrouille. Il nous demande d'arrêter la consommation de stupéfiants. Mais lui-même ne lutte pas pour la fermeture des bars. Merci.
Merci pour la contribution. Prenons celle-ci. Bonsoir, je suis avec Stéphane. Il y en a deux sur le plateau. Bonsoir. Moi, j'ai retenu une contradiction profonde. Un président qui condamne l'immigration clandestine et célèbre Francis Ngannou, qui est une illustration parfaite de l'immigration clandestine avec toute la violence qu'elle contient. Toute récupération n'est pas bonne, Stéphane Baga. Je vous dis, ces deux dernières années, la cote d'alerte d'immigration clandestine et non clandestine est très élevée en direction pour le Canada et partout parce que l'espoir a foutu le camp. Simon Messengue fait la fine bouche et l'esbrouf habituel car lui-même sait que sous le renouveau, les jeunes sont totalement dans le désarroi. Merci pour la contribution. On va avancer rapidement. Encourager la jeunesse à produire pour l'import, substitution est une très bonne chose, mais en même temps, autoriser deux importations massives est plutôt curieux. Merci pour la contribution. Le politologue Paul Stéphane Menunga, très bonne analyse. C'est Monsieur Choup Simpora depuis Nkouaban. Bonsoir à vous sur le plateau. La jeunesse camerounaise est vraiment en péril. En conclusion, le Cameroun est une prison dans laquelle nous les habitants y vivons et qui les personnes avec les vestes et cravates ont privatisé les postes. Merci pour la contribution. Oh là là, vous n'allez pas appeler s'il vous plaît, sinon ça ne va pas être possible de pouvoir relayer ce qui est dit. Bonsoir Stéphane, le Cameroun est une usine de désespoir. Le discours du président de la République n'est que ce qu'on fait quand on veut rien faire. Le bien-être des jeunes est le plus cadet des soucis de nos dirigeants. Que M. Messengue arrête d'essayer de se faire bonne conscience. Je suis Hilaire. Je suis Jean Boulengon à Obala. Merci pour la contribution. Bonsoir à tout le panel. Je m'adresse à vous avec un profond respect et une sincérité fondamentale concernant les enjeux critiques auxquels est confrontée la jeunesse camerounaise. En dépit des discours positifs et initiatives louables, la réalité vécue par bon nombre de jeunes dans notre pays, oh là là, c'est carrément une thèse de doctorat que vous avez rédigée. Ça ne va pas être possible. Sinon, on est plus anglais toute la soirée. Mais on va vous féliciter et remercier pour la contribution. Je vais surtout dire que vous êtes une riche et que vous avez réagi depuis Doumé. Bonsoir à vous du côté de Doumé. J'espère que vous avez de l'électricité de ce côté. Ah oui. On va prendre une autre contribution. Bonsoir à vous sur le plateau. Effectivement, il faut considérer un homme par ce qu'il fait et non par ce qu'il dit. Monsieur le Président joue seulement son rôle. Je suis Guy Mbarga en fou. Quelqu'un a parlé de montre américaine. Il porte une montre, elle-même est de quelle origine? Camerounaise? C'est une interrogation. Alors, on ne peut pas. On va d'abord s'arrêter là. Attends, on a rapidement, on va sortir. Qu'est-ce que vous proposez à cette jeunesse-là pour que, véritablement, on ne sombre pas dans le désespoir ou dans le chaos? Parce que je précise, le 2025 s'approche et parfois la jeunesse est victime de manipulation et même d'instrumentalisation. Ouais. Qu'est-ce que vous proposez à cette jeunesse-là pour qu'elle soit moins réceptive à des discours parfois populistes et autres? Une prise de conscience. Une prise de conscience de la jeunesse camerounaise. Du fait que cette jeunesse devrait, a déjà même fait un état des lieux. La situation intérieure et les circonstances extérieures du Cameroun ne favorisent pas l'émergence de la jeunesse. Non, pas partir. Partir, c'est pas. J'avais souvent l'habitude de dire. Je dis souvent à la diaspora, bon, je n'aime pas ce terme-là. Je leur dis, on ne combat pas un système à l'extérieur. Comment ça s'appelle le système? On combat à l'intérieur. Ce système s'appelle tu comment? Tu veux que je sorte le terme néolibéral? Voilà! Les opposants ne sont pas néolibéraux. Faut dire la vérité aux jeunes. Non, il n'y a même pas d'opposants au Cameroun. Alors, vous sont des gens où, je vous réponds, ce sont des gens qui confondent la praxie politique avec l'idéal démocratique. Mais quand vous condamnez, vous condamnez ça parallèlement. Et quand vous comme si la jeunesse quand vous confondez la verser Jean aussi. S'il vous plaît, monsieur. Avec l'idéal démocratique. Vous n'êtes pas un opposant. Monsieur, alors, moi, je conseille à la jeunesse, ce sont mes enfants, mes petits frères et tout ce monde-là, je dis, prenez conscience. Prenez conscience de la situation qui pourrit au jour le jour et qui va grandissant.
Oui. Prenez conscience. Car lorsque vous avez pris conscience, vous élaborez donc des stratégies pour essayer un peu de vous sortir de cette situation. Prenez nos exemples. J'ai eu le baccalauréat en quelle année, Bouba? 86, 85, 86. Oui. Je suis avec vous. Je prends un exemple. Je reviens à votre. Ne m'interromps pas. Non, ce n'est pas pour faire, pour me vanter. Je vais vous poser une question en présence là. Mais c'est pour vous dire que je vous ai donné le premier exemple. Que la jeunesse prenne conscience. Nous l'avons fait. C'est ce que je. Parce que vous m'avez interrompu, vous ne m'avez pas permis de terminer. Allez-y rapidement. Nous, à cette période là, en 86, il y a 3 millions de jeunes que Biya a envoyés au chômage. Mais ces jeunes-là, ils ont pris conscience et se sont. Ils ont essayé de se forger un passage. C'est difficile. Ce n'est pas facile. Mais toute cette jeunesse-là, si on fait un peu la comptabilité, ces gars, beaucoup occupent beaucoup de postes. Beaucoup ont créé des centres de grandes entreprises. Moi, je vous prends, par exemple, Bilana Jean-Claude. Il a créé Idée Neuve. Et il a employé des centaines de jeunes à cette période-là, sans avoir un secours, un apport de ce gouvernement. C'est pour ça que, M. Bouba, je vous ai parlé des banques voyous. Vous vous parlez des banques qui doivent soutenir des initiatives jeunes. Les jeunes Camerounais ont des projets. Mais qui va financer les projets? Quand vous allez même à l'extérieur pour chercher un prêt ou alors une levée de fonds, lorsque vous voulez faire entrer des fonds ici, je vous dis, on les bloque. On les bloque et quand vous saisissez même la justice pour réparer le préjudice, il y a toute une machine infernale du système qui se mesure vous en utilisant du faux et usage du faux dans des documents judiciaires. Moi, j'ai des preuves palpables. Il faut combattre le système. La jeunesse ne doit pas pleurer. Hein? Pleurer, gémir, c'est lâche. Il faut cultiver son jardin. Merci. Il faut affronter l'ennemi en face et il faut frayer un passage. La jeunesse a tout. La jeunesse est intellectuellement bien garnie. La jeunesse a des brins fortes. La jeunesse a des idées. La jeunesse a des stratégies. Alors, autre chose, il faut pas que les jeunes agissent en rang dispersé. Il faut faire des corporations, élaborer des stratégies, créer des entreprises, faire, vous appelez ça comment, des petites start-up, les start-up, ainsi de suite. J'ai dit, parfois même pour créer une entreprise, c'est la mer à boire. Hein. Merci Antoine Awana. Même si vous avez des initiatives, même si vous avez des belles idées, le système est en train de broyer. C'est pas normal. Stéphane, la main sur le cœur. Messieurs les gouvernants, ayez pitié de ces enfants. Merci. Ce sont les enfants des Camerounais. Ce ne sont pas des enfants d'autres nationalités. Vous ne verrouillez pas tout, parce qu'actuellement, tout est verrouillé. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire actuellement, Bouba? Dis-moi un peu. Merci. Fréquenter, s'il vous plaît. Travailler, c'est encore une autre histoire. Manger même. Les jeunes sont frustrés, ils se plaignent. Ils ne mangent pas. Ils ne peuvent pas se soigner. Ils ne peuvent même pas s'habiller. Ils ne peuvent même pas aller à l'école. Ils ne peuvent pas. Merci. Qu'est-ce que cette jeunesse que vous voulez former? Dis-moi un peu. On voit compris. Une jeunesse dépravée? On voit compris. S'il vous plaît. Et tu bois à l'honneur du journée? S'il vous plaît. On vous aura compris. C'est bon, mais c'est bien. On va pas revenir sur le lexique de la mort. Quand on la présente sur la jeunesse, nous, on va essayer de tirer une once d'espoir de l'allocution présidentielle. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que le jeune n'aille pas mourir en mer? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'aille pas au Canada? Qu'est-ce qu'on fait pour favoriser? Est-ce qu'il y a même encore un rêve camerounais? Qui sont les modèles? Quels sont les référents? J'aurais voulu demander à Antoine Awana, malheureusement il ne l'a pas permis, est-ce que lui se considérait comme un modèle? Puisque le président a cité Francis Ngannou comme un modèle. Qui sont les modèles? Qu'est-ce qu'on fait pour continuer à vendre un rêve camerounais à la jeunesse parfois confuse que nous avons au-devant de nous? Stéphane Baga, vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle de journaliste, vous êtes toujours en veste, costume. Oh. Écoutez, non, il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes. C'est ce discours apocalyptique qui fait fuir les jeunes. Oui, parce que justement... C'est la réalité. C'est très loin de la réalité. Je dis bien, c'est très loin de la réalité. Ce discours, aujourd'hui, fait fuir les jeunes. Je vais vous prendre un exemple. Allez-y. Il y a des jeunes
personnes, des enfants de troisième qui ont raté leur BPC. Parce qu'une chaîne, une chaîne de radio, une chaîne concurrente à vous. Une chaîne concurrente. Avait dû dire, c'est pas par quelle alchimie, ou quelqu'un, Pané avait dû dire qu'il y a férié demain. Le rapport. Où est le rapport avec l'ambition du Cameroun? Où est le rapport? J'ai un problème, c'est que je ne sais jamais construit et aller au bout de ma pensée. Allez-y! Je suis en train de dire ceci, c'est quoi? C'est que les arguments périphériques qui ne se basent sur rien, quand ils sont dits dans une émission de grande écoute comme celle-ci, sont pris comme des vérités d'évangile, et qu'est-ce que les enfants font? Ils s'en vont. Je suis en train de dire ceci. Les jeunes aujourd'hui ont beaucoup d'opportunités. La difficulté avec certains jeunes, ou la majorité, c'est qu'ils sont focalisés sur le fonctionnariat. Aujourd'hui, le fonctionnariat est dépassé. Il est dépassé. Moi, il y a une nouvelle génération qui utilise les réseaux sociaux à bon escient. Ils font dans les ventes en ligne, petites ventes en ligne, ainsi de suite. Oui. Et eux-mêmes, la plupart du temps, vous le trouvez avec 50, 60, ainsi de suite. Mais c'est informel parce qu'ils sont encore des étudiants. C'est pour dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de niches d'opportunités. Au niveau de l'agriculture, il y en a beaucoup. Et il faut féliciter aujourd'hui nos banques. Je vais vous apporter les éléments de preuve. Allez-y, Simon. Ces éléments de preuve, allez dans une capitale comme Abidjan, vous allez vous rendre compte que 90% des immeubles qui sont là-bas appartiennent aux étrangers. À chaque fois, si vous devez m'étouffer comme ça, on ne comprendra rien. Au Cameroun, c'était une bonne banque. Des édifices que vous voyez là, c'est sont financés par les banques. Quelle banque? Les Camerounais. Quelle banque? Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Quelle banque? Je suis dans le regret que dans une émission sérieuse comme celle-ci, qu'on soit en train de dire des choses qui sont vraiment. Quelle banque finance les institutions des banques? On veut un exemple. Je suis en train de dire ceci. Quand vous avez un titre foncier au Cameroun aujourd'hui, c'est une garantie pour vous donner des moyens. Parce que les banques. Et si vous n'en avez pas? Parce que les Ce que l'aîné ne comprend peut-être pas, la banque n'appartient à personne. La banque appartient aux épargnants. La banque appartient au Cameroun lobby. Et donc, c'est les lobbies qui détiennent les banques au Cameroun. Je vous l'apprends. Moi, je suis désolé. C'est les lobbies. Nous vous avons suivi pendant longtemps et c'est pas parce que vous disiez toutes des choses qui sont vraies. Je vais vous dire une chose. Allez-y. C'est les banques qui financent le développement au Cameroun. Oui. Je prends un cas de figure. Lorsque vous gagnez un marché public, je prends un bon de commande. Quand vous gagnez un bon de commande, vous partez prendre l'argent où? Vous partez prendre l'argent à la banque, ce que l'État vous donne dans un premier temps, ce qu'on appelle l'attestation de virement irrévocable, ce qu'ils vont vous donner. Ceux qui font dans cela le savent très bien. Et qui vous donne l'argent, c'est la banque. Et donc, venir ici, penser que notre tissu bancaire, il a certes des failles. Mais il faut noter que la plupart des jeunes aujourd'hui sont accompagnés par les banques. Et justement, au niveau du ministère même du MINCAF, par exemple, pour parler du foncier, dernièrement, je crois, il y a deux jours aujourd'hui, il y a un autre élément qui est entré en jeu, c'est-à-dire que ce qu'on appelle un titre coutumier, qui est reconnu. Ça veut dire que vous pouvez aller au village, si vous ne pouvez pas faire un truc avec ce qu'on appelle le vous appelez ça comment? Vous vous retrouvez en famille, pour ces débats du conseil de famille, avec le chef, on vous signe ce qu'on appelle une attestation de tout coutumier. Et cela sert, parce que justement, ça peut permettre d'impulser davantage le développement au niveau rural. Il faut dire aux jeunes aujourd'hui que
Il y a beaucoup d'opportunités. Quand quelqu'un prend 5 millions de francs CFA pour s'engager dans le désert, alors que justement, à partir avec 5 millions de francs CFA, il peut commencer une affaire qui peut être salvateur pour lui. Il faut leur montrer les voies plutôt que de faire comprendre aux jeunes aujourd'hui que rien n'est fait, rien n'est dit, nous sommes dans le Capharnaüm. Ce n'est pas bien et ce n'est pas bon aujourd'hui que nous les aînés, nous tenons ce type de discours pour les enfants qui nous suivent. Le président de la République a dit aujourd'hui qu'il a pris le cas de l'impôt substitution. Je vais laisser ce qu'il a flagellé comme immigration clandestine. L'impôt substitution, ça veut dire que je prends au cas du blé. Vous l'avez déjà dit. Non, non, je n'ai pas. Je n'ai pas. Vraiment, je peux communiquer avec les personnes qui sont dans la Damawa, dans le Nord. Le blé, par exemple, on a mis 10 milliards de francs CFA. On donne les semences gratuitement pour cultiver du blé. Est-ce que vous pensez que si un jeune qui a un peu de terrain dans la Damawa ne peut pas cultiver le blé et ça ne peut pas avoir un impact? Il faut qu'on se dise aujourd'hui que il y a des niches d'opportunités. Il faut qu'on laisse des histoires de cravate et ceci, on est au bureau, ainsi de suite. Il faut commencer à se frayer du chemin dans les filières comme l'agriculture, comme l'élevage ou comme les TIC. Parce qu'aujourd'hui, même les TIC aujourd'hui merci sont bien. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Le chef Gagné nous le dit aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va tenir un discours apocalyptique et flagellé dans le but de faire peur aux jeunes qui n'ont pas besoin de ça, mais qui ont besoin d'être encouragés. Merci, merci Simon Messenger, Paul Stéphane Manunga. Ça sera la dernière intervention sur cette problématique. On peine à trouver les mots, tant les paradoxes et les extrémités sont visibles sur ce plateau. Mais qu'est-ce que vous, en tant que modèle, entre guillemets, jeune, pouvez, quel message pouvez-vous adresser à cette jeunesse africaine, à cette jeunesse camerounaise? Là, je le dis et je le ressens après enquête, après reportage, qui est dans la confusion. Ce n'est pas pour rien que les jeunes s'en vont mourir en mer. C'est parce que ce qui leur est proposé, parfois par les systèmes gouvernants, ne correspond en rien au monde dans lequel on vit. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour ces familles? Je peux simplement leur dire de prendre leurs responsabilités en main et de ne pas écouter ceux qui leur disent qu'il n'y a pas de parti d'opposition au Cameroun. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a, parce que c'est un faux discours. C'est un discours qui veut nous faire croire que, puisque le parti au pouvoir ne gouverne pas bien, il n'y a pas d'opposition, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. C'est ce que ça veut dire. Non. Permettez-moi de vous rappeler. Permettez. C'est simplement ce que ça veut dire. Quand on nous dit qu'il n'y a pas de parti d'opposition au Cameroun, ça veut dire que l'opposition n'existe pas. Comme le parti au pouvoir ne nous apporte pas de solution, ne faisons rien parce qu'il n'y a pas de parti d'opposition. J'ai envie de dire que ce n'est pas vrai. Et tous les partis ne sont pas néolibéraux, entre guillemets. Je peux prendre l'exemple seulement de l'UPC. Seulement de l'UPC, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas ici pour faire la promotion des partis politiques. L'UPC n'est pas un parti néolibéral. Ça, c'est une vérité absolue et indiscutable. Il est quoi? Je veux poursuivre en disant que ce n'est pas vous qui posez les questions, monsieur. Et je veux poursuivre en disant que le discours de Simon Metingé aurait été vrai ou acceptable si le président, dans son discours de 2024, oui, nous avait cité un modèle jeune qui a été financé par le plan triennal spécial jeune. Ça veut dire qu'il aurait... On aurait vu un jeune, oui, qui a été financé par le plan. Une bonne initiative. Ça veut dire, ton discours aurait été vrai. On n'aurait même plus discuté. Ça veut dire, le président, on a quand même commencé au plan. Il y a là. Oui, il a cité. Par exemple. Écoutez, ce n'est pas des structures, c'est des GIC. Il y a des GIC et des coopératives qui bénéficient d'un financement de ce plan-là. Justement, il donne une impression. Je dis, le discours du président de la République aurait eu tout son sens. Si il nous avait cité un jeune qui a bénéficié d'un financement du plan quinquennal spécial jeune et qui emploie au moins 10 Camerounais aujourd'hui, je mets là-bas à 10 Camerounais. Et j'ai envie de dire à Simon Metingé que seulement 13% des Camerounais ont un titre foncier. Les banques au Cameroun ne financent pas le projet, ils financent la garantie. Oui. Personne ne va vous financer l'abandon de droits coutumiers. Voilà. Ils sont la très rares. S'il te plaît, on finance s'il te plaît, au Cameroun s'il te plaît, s'il te la garantie. Et la garantie, c'est le titre foncier. S'il te plaît. Vous savez comment on fait un titre foncier? Moi, je l'ai fait. C'est comme si on vous demande de remplir un tonneau PSC au Cameroun. Déjà que le MINCAF, chaque année, dans les rapports de la CONAC, est parmi les institutions les plus corrompues du Cameroun. Je préfère dire qu'on va se rapprocher du ministère. Je vais sortir. Permettez-moi, je vais sortir, vous aurez la parole. Je vais sortir en vous disant que c'est une erreur de dire que
quand on parle de questions de néolibéral, j'ai envie de dire que c'est le système qui décide, ou alors la personne qui est au pouvoir, l'individu qui est au pouvoir, qui décide d'impulser son système politique. Oui. Ah, j'ai envie de dire aujourd'hui, vous êtes politologue, j'ai envie de dire aujourd'hui que vous confirmez. Quand vous donnez le pays à un individu, c'est lui qui décide de rester dans le néolibéralisme ou du sort ou de c'est sortir faux. Du néolibéralisme. En tant qu'expert, on ne peut pas accepter ça. C'est je vous ai écouté. Souffrez de m'écouter. Dans un pays sérieux, souffrez de m'écouter. Dans le tribunal, souffrez de m'écouter. Souffrez de m'écouter. Dans un pays sérieux, souffrez de m'écouter. C'est vous qui n'êtes pas sérieux. Vous allez souffrir de m'écouter. Si ça ne va pas, vous prenez un verre d'eau. Ça va vous faire du bien. Alors, je voudrais donc dire que c'est le président de la République qui choisit son système. C'est faux. Et il impulse son système politique. C'est archi faux. C'est faux, s'il vous plaît. Je prends donc un exemple. Quand Paul Biya est venu, il a choisi d'impulser ce qu'il voulait. Avec Ayew, c'était différent. C'est pour vous dire qu'en réalité, c'est l'individu. Alors, il faut arrêter de tenir les discours. En résumé, la jeunesse doit se prendre en main. Elle doit prendre ses responsabilités. Oui. Et faire le constat selon lequel on a fait confiance à un régime politique depuis 1982 qui n'a pas pu nous apporter les résultats qu'on attendait. Oui. Elle doit donc tirer les conséquences des échecs de ce régime et prendre une décision qui lui arrange. Je ne suis pas ici pour dire à la jeunesse il faut voter X, il faut voter Y. Elle doit elle-même prendre ses responsabilités, merci, faire une évaluation de la situation et décider si on doit continuer avec le même régime politique. Merci pour ou le changer simplement. Merci beaucoup. Oui, je vous donne une minute. C'est par rapport à mon frère. Mais non, vous n'allez pas faire le débat. Permettez-moi de. Allez-y, mais. Parce qu'il a dit au Camerounais que. Avec une attestation d'abandon des droits coutumiers, vous pouvez aller à la banque pour prendre un crédit. L'attestation, mon cher frère, n'existe plus. L'abandon des droits coutumiers a été supprimé. C'est pour cela qu'on a libéralisé les demandes de titres fonciers et l'octroi des titres fonciers au Cameroun. Ça n'existe plus. Les droits coutumiers, on ne les abandonne plus. Et autre chose, ça, Stéphane a dit ça de manière en filigrane, le ministre est là ici, une CAF. Il a sorti une circulaire pour interdire même la vente des terrains dans certaines localités au Cameroun non titrés. Et puis, le quota est là. Vous ne pouvez pas titrer un terrain de plus de 20 hectares. Il faut lire ces choses-là. Il ne faut pas tromper les Camerounais. Merci. L'abandon de droits coutumiers n'existe plus. Merci. On va évidemment faire parler les Camerounais, puisque c'est pour eux qu'on fait cette émission. Ils sont nombreux d'ici d'ailleurs qui réagissent à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir à tous et très bon débat. S'il vous plaît, dites au monsieur du RDPC de ne pas empirer la situation, parce que c'est ce genre de discours qui suscite la rébellion. Mon analyse, monsieur Antoine Nawana et Paul Stéphane Manunga, je préfère ne pas citer la personne qui la personne qui nous a écrit, j'ai mes raisons, que je peux... Que vous avez notre raison de parler sur ce plateau. Bonsoir une fois de plus. Le père en blanc l'a dit quoi? C'est la situation du pays qui fait fuir les jeunes. Vous-même, vous savez que quand un Camerounais vit bien, il ne demande rien à personne. Il n'y a pas d'opportunité au Cameroun, mais tu viens d'où? Même dans l'armée, pour que le désir du président s'applique, le gouvernement doit se mettre au travail. Merci à vous, cher Niobe, depuis Ezeka. S'il vous plaît, monsieur Messengue, laissez le discours, donnez des preuves palpables quand vous parlez des jeunes du Grand Nord. Vous êtes là-bas pour voir vraiment les fonds débloqués. Non, ne parlons pas des choses que nous ne voyons pas. Si c'était le cas, je pense qu'il ne devait pas y avoir autant de chômeurs et autant de dérives au Cameroun. Quand on est occupé, on ne parle pas de péril des jeunes. Non, précise le téléspectateur. On va prendre d'autres... Oh là là, vous n'allez pas appeler, c'est pas possible. Bonsoir mon frère Wana, mon frère dans notre village, très beau dans sa tenue traditionnelle et qui traduit le vivre ensemble. Ah oui. Le petit village Namgal 2 qui est toujours sans eau, sans électricité, bonne émission. Antoine Awana, c'est une personne qui vous suit particulièrement, qui réagit. Bonsoir monsieur Mbaga, le type en chemise là est totalement... Non, s'il vous plaît. Faut pas insulter. Non. C'est le débat.
Bonsoir Stéphane Raga. Quand j'entends M. Simon Mestengue, il supporte ce régime. Supporter. Alors, c'est bon, Mestengue, je préfère, puisque nous sommes sur un plateau sérieux, ne pas relayer un certain type de contribution. Bonsoir à vous sur le plateau. Dites à M. Awana qu'il a beaucoup changé. Lui qui disait sur le plateau d'Afrique Média que le frein du développement de l'Afrique, c'est la monnaie. Et tant qu'on ne sort pas du franc CFA, on ne va jamais être émergent. Mais là, je suis étonné que sa vision ait changé. Merci pour la contribution. Il ne m'a pas compris. On va prendre ce téléspectateur qui nous dit carrément prière de lire mon message. Alors, on va le faire. Bonsoir à vous sur le plateau. Laissez au moins mon camarade Simon aller au bout de ses idées. Il dit qu'il s'appelle Yves Abama. Je voudrais contribuer au débat en vous faisant remarquer que la problématique de l'emploi jeune est mondiale. Ce n'est pas une affaire de régime ou du RDPC. À l'échelle africaine, seulement on parle de plus de 200 millions de jeunes au chômage. Chaque pays essaie d'adresser cette question à sa façon. Au Cameroun, le gouvernement a mis sur pied un certain nombre de programmes qui montrent au moins sa volonté d'affronter cette difficulté. On peut encore débattre sur la gestion de ces projets qui est à améliorer ou encore leur capacité à toucher le maximum de jeunes possible. Mais on ne saurait nier les bonnes intentions du gouvernement sur le domaine de l'emploi jeune. Yves Abama, votre contribution en soutien à Simon Mestengue a été relayée. Bonsoir Stéphane Barga, demandez aux panélistes si leurs enfants savent ce que veut dire import, subvention. Le monsieur écrit subvention. Je suis content de l'expliquer. Substitution et patriotisme économique. S'il vous plaît, Stéphane, demandez à Simon Mestengue de nous parler de sa plantation ou de son entreprise. Si lui qui est là au RDPC n'arrive pas à entreprendre, vous pensez que c'est le jeune du PCRM qui réussira? C'est vrai que je cherche le parallèle entre le jeune du RDPC et celui du PCRM. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci beaucoup, Monsieur Awana, car c'est un nom vrai. Que Dieu nous vienne en aide, car le Cameroun n'a plus de sens. Les dirigeants sont contre la jeunesse. Je préfère le dire ainsi. Alors, on va prendre une brève transition en régie avant de revenir tout de suite après, en quelques mots, évoquer la situation tendue du côté du Sénégal avec le président Macky Sall, véritablement en posture délicate. Retour sur le plateau de Ouro Africa. Ce soir, nous évoquons en filigrane aussi et très rapidement la situation au Sénégal. Je commence par vous, Paul-Stéphane Menouma. Je vous ai suivi sur la toile, vous exprimez sur la question sénégalaise. On a l'impression que c'est un téléfilm permanent de ce côté. Il ne se passe plus de semaine sans qu'une actualité malheureuse et un trait à l'élection présidentielle ne nous rattrape. Pour l'instant, c'est le report de l'élection présidentielle du 25 février 2024 comme initialement prévu au 15 décembre 2024 qui divise la classe politique sénégalaise et met le président Macky Sall dans une situation très ambiguë. Oui, c'est une situation à déplorer parce que c'est une situation qui vient faire que la démocratie sénégalaise fasse trois pas en arrière. Et aussi, on est arrivé à cette situation parce que on se rend compte que dans ce pays, les hommes sont plus forts que les institutions. Et c'est pour ça que les institutions doivent être au-dessus des hommes dans nos pays. Parce que quand les institutions sont au-dessus des hommes, on ne fait pas ce que Macky Sall a fait. Parce que dès que vous le faites et que la date d'expiration de votre mandat arrive,
c'est une autre institution qui va vous dégager de votre poste présidentiel. Ça, c'est la première chose. Et aussi, on remarque ici la timidité de la CDAO dans les réactions. On se serait aussi attendu qu'il... Elle a quand même appelé au respect du calendrier initial, la CDAO. Non, elle ne devrait pas. Elle devrait aussi nous dire qu'elle va intervenir militairement. Parce que ce n'est pas différent de ce qui s'est passé au Niger. Ça veut dire qu'un individu décide unilatéralement de suspendre la Constitution, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la loi fondamentale. Il décide de la mettre au magasin et de proroger son bail. C'est un putsch. C'est la même chose que le petit Déby a fait. On parle d'un chef d'État. Quand je... Bon, c'est la même chose. Le président Déby, le président du Tchad. C'est ça que je voulais dire. Pas le président, le président de la transition du Tchad. Oui. C'est la même chose qu'il a fait. Ça veut dire qu'il y a une constitution qui existe. Et le bon monsieur se lève un matin, il vous dit que non, on suspend la constitution, on crée une charte de transition. C'est la même chose que Macky Sall a fait. Donc je me serais attendu que si la CDAO était une institution très logique, qu'elle nous dise aussi qu'on donne 2 semaines à Macky Sall s'il ne s'arrime pas à la constitutionnalité du Sénégal, on va préconiser une intervention. L'état-major doit se mettre tout de suite en branle pour... C'est ce que moi j'attendais. Et je veux dire ici que... et c'est donc là les défauts de la démocratie ou alors de la démocratie représentative. C'est pour ça que je suis d'accord avec les pères fondateurs du panafricanisme qui avaient pensé qu'en fait, dans notre modèle démocratique, il fallait adopter le centralisme démocratique comme approche politique et le socialisme comme approche économique. Parce qu'on ne se rend pas compte. Dans une démocratie représentative, il faudrait que les représentants aient une certaine hauteur d'esprit et que ceux qui choisissent même aussi les représentants aient une certaine hauteur. Parce que c'est là justement le défaut de la démocratie représentative. Puisque le mandat impératif est nul. Une fois que j'étais élu député, tu n'es plus obligé de faire ce pourquoi j'étais élu. Merci. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations où, puisque c'est généralement l'exécutif qui contrôle le parlementaire dans nos pays, il vous présente un projet de loi ou une loi qui n'a pas de sens. Et dès qu'on l'adopte, on vous dit qu'elle est légale et légitime. Pourtant, elle ne reflète pas la volonté populaire. Merci, Paul Stéphane Manunga. Actuellement, nous épiloguons sur ce report de la présidentielle au Sénégal. Mais nous avons pu recueillir une sortie d'il y a quelques temps du président Macky Sall qui revenait justement sur la problématique du renvoi d'élection présidentielle. Prenons ou alors écoutons ce qu'il disait il y a quelques temps sur la question. Alors, on a pu, malgré le léger souci technique, lire entre les lignes ce que le président Macky estimait quant à la possibilité ou alors l'éventualité d'un report d'élection. Monsieur Bawa, je me tourne vers vous. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui le désarroi qui est celui de la classe politique de l'opposition sénégalaise qui véritablement voit s'éloigner les standards qui sont les leurs en termes de positionnement et idéologique sur les aspects démocratiques? On a l'impression que la démocratie au Sénégal, hier vantée, hier admirée, est en train de dégringoler et que le pays est en train de ressembler à des mauvais exemples en termes de démocratie. Écoutez, la démocratie sénégalaise, béninoise, ou bien libérienne actuelle, nous l'appelons la démocratie néolibérale. Elle ne flatte que ceux qui ne savent pas ce que c'est cette démocratie. Elle ne va jamais avoir un impact dans le panier de la ménagère. Or, l'objectif de la démocratie, c'est le développement. Si la démocratie ne vous développe pas, il ne faut plus se battre pour elle.
Ce qui se passe au Sénégal, c'est que il y a un vent de souverainisme qui souffle en Afrique de l'Ouest. Et là, dans les partis politiques d'opposition, contrairement à ce qui existe au Cameroun, il y a un souverainiste. Celui du Pastèque. Celui de Fonko. Sonko? Oui. C'est un souverainiste. Oui. Donc, en réalité, un souverainiste opte pour l'alternative politique et non pour l'alternance. Si tous les partis politiques qui devraient compétir le 25 février étaient tous de l'alternance, on n'aurait jamais reporté cette élection. Malheureusement pour eux, ils se sont rendus compte que leur candidat qui préfère l'alternance au lieu de l'alternative sont tous donnés perdants. Les statistiques sont claires, on ne veut pas vous dire. Et si le parti du PASTEF remporte les élections, il va revendiquer l'alternative politique. C'est-à-dire, il va chercher à changer le système néolibéral. Par ce rapport de force qui se dessine en Afrique de l'Ouest et avec les BRICS. C'est là où je voulais dire que ce n'est pas un parti politique au pouvoir qui choisit son système de gouvernance. C'est un rapport de force géopolitique. Et le système de gouvernance est une lecture mathématique pour les économistes. Ces aspects idéologiques que vous mettez en avant, oui. Mais on a quand même un vécu politique au Sénégal. On a vu le président Senghor, on a vu le président Abdou Diouf accepter la défaite contre Maître Ouad. On a vu tous ces grands hommes d'État s'en aller parfois battus aux élections sans qu'il y ait toutes ces contestations aujourd'hui. On a vu la séparation douloureuse entre le président Ouad et Macky Sall aujourd'hui, mais le président Ouad n'a jamais qu'au moment était dans une posture qui voulait à ce qu'on renvoie les élections pour des motivations sans consultation de la classe politique. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il s'agit d'un recul, M. Bawa, s'il vous plaît. Tous ces prédécesseurs que vous venez de citer faisaient ce qu'on appelle le remplacement des chefs d'État. Et la situation des Sénégalais partait du mal en pire. Du mal en pire. À chaque fois qu'un chef d'État passe, Le tissu économique se détériorait. Et c'est la politique de remplacement qui profite aux néocolons, à l'impérialisme, jamais à la peuplade. Aujourd'hui, il y a un vent de changement. Les gens confondent le changement au remplacement. L'alternative, c'est le remplacement. C'est pour ça que je n'aime pas les partis politiques d'opposition d'alternance. Ils veulent seulement remplacer le chef d'État, continuer à servir 2-5% de la population, et abandonner 95% dans la misère. Alors que le changement, c'est le souverainisme. Puisque sans souveraineté, il n'y a jamais de développement. Le développement suit la souveraineté, vient après la souveraineté. Et donc, au Sénégal, c'est cette fébrilité du système néolibéral qui voit, malgré le fait qu'ils ont emprisonné Ousmane Sonko, son dauphin, et en passe de gagner. Ils ont peur. C'est ça qui crée donc tout ce chamboulement. Merci, M. Bawa. Antoine Arana, je me tourne vers vous. Des informations tirées à bonne source nous font savoir que la classe politique sénégalaise et d'opposition estime que le 2 avril prochain passé, ils ne considéreront plus le président Macky Sall comme chef d'État au Sénégal. Jusqu'où ira le président Macky Sall et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre lorsqu'il y a des déclarations aussi fortes venant des acteurs politiques? Ils ne considéreront plus le 2 avril passé le président Macky Sall comme président alors que le mandat a été prolongé et que la prochaine élection présidentielle, c'est le 15 décembre 2024. Il faut craindre une chose, Stéphane Barga. C'est de créer ce qu'on appelle au Sénégal un écosystème politique conflictogène. Vous voyez, le président Macky Sall, il a prédit une crise pré-électorale et une autre crise post-électorale pour se positionner. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, qu'est-ce qui s'est réellement passé au Sénégal?
Il faut pas oublier la genèse de cette histoire-là. La première chose, c'est le recours en contestation, déposé par qui ? Par l'office du président Abdoulaye Wade, oui. Karim Wathia au Qatar. Oui. Voilà. Pour un problème de binationalité, double nationalité. Parce que quand il déposait sa candidature, il avait encore la nationalité française. Oui, il n'avait pas l'immédiat, la France. Ouais. Voilà, tout ça. Ok. Bien, maintenant, donc, compte dans cette double nationalité, il y a un autre candidat là-bas qu'on appelle Tcherno Alassane. Alassane Sali, leader de la République des Valeurs. Voilà le nom de son parti politique. Que lui aussi, il dépose une proposition de loi pour le report de la présidentielle. Parce qu'il y a eu 40 candidats qui ont été recalés. Et il évoque toujours le problème de la binationalité à partir de la loi, enfin, disons, du dépôt de la proposition de loi de Karim Ouattara à l'Assemblée. Macky Sall ayant donc enfin, je crois que Stéphane Mounounga, Macky Sall est en train de vous donner aussi une leçon de la science politique à la Macky Sall. C'est ça. Vous allez enseigner à vos étudiants là-bas. C'est sa science politique à la Macky Sall. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, moi, ayant donc considéré tout cela, il risque d'avoir un conflit entre le Conseil constitutionnel, oui, et l'Assemblée nationale. Raison, résultat de compte, il faut reporter l'élection. Quand il fait donc le report de l'élection, mais lui, il est en train de conforter sa position parce qu'il ne veut pas partir du pouvoir. Voyez un peu. Pourquoi ? Parce que la Constitution lui contraint. Hein? Il ne peut plus briguer un troisième mandat, mais il cherche des voies et moyens pour créer une crise préélectorale et une autre post-électorale, annuler donc ces élections, se positionner et créer ce qu'on appelle une transition démocratique au Sénégal. C'est votre lecture, Antoine Awana. C'est ce qui est une réalité objective. La preuve est que, lorsqu'il l'a fait, la communauté internationale autoproclamée s'est inquiétée. Oui. Voilà, s'est inquiétée, elle dit, mais non. Sauf la France. Les États-Unis étaient, la France était, et la CDA aussi. Mais sauf que, ils ont fait, tout ce monde-là, ils ont fait ce qu'on appelle le diplomatiquement correct. Personne n'a condamné. On recommande. Vous avez des recommandations, je crois, je parle sur le contrôle du politologue qui est à côté de moi. Ça n'a pas une force contraignante. C'est juste des simples avis qu'on donne. Là, on peut les appliquer ou pas. Maintenant, ce que Karim, en faisant cette analyse-là, a oublié, c'est que les Sénégalais ne sont pas dupes. Les Sénégalais ne sont pas dupes et ils ne peuvent pas l'accepter. C'est une situation inacceptable. C'est ce qu'on appelle un hold-up politique de Macky Sall. Donc, les partis de l'opposition ont dit, bon, généralement la position parlait de 80 jours. Hein. Mais lui, il est allé jusqu'en décembre. Ça veut dire que le gars vous reprend encore 9 mois, pratiquement 10 mois de mandat. Parce qu'il y a eu, justement parce qu'il y a un agenda caché. Il veut positionner son candidat, le candidat à la mouvance présidentielle, qui est son actuel premier ministre. Oui. Bah, c'est ça le véritable problème. Alors pourquoi Macky Sall cherche à tous les prix et à tout prix à positionner Bah ? C'est parce qu'il a des antécédents avec le peuple sénégalais et des opposants sénégalais, surtout M. Sodo Fonko. Ousmane Fonko. Oui. Voilà. C'est vraiment l'homme qui de la situation au Sénégal. Alors ils ont commencé par des faux procès, il a violé les filles, il a fait ceci, pour l'écarter. Il y a aussi une autre dame là-bas, Madame Rose Wardini, oui, qui a été aussi arrêtée. Madame Aminatou, ex-premier ministre, Aminatou Diallo. Elle est mise aux arrêts aussi, elle est mise aux arrêts. Donc pour Macky Sall, dès que vous levez la tête, pour dire le contraire de ce qu'il pense, il vous envoie une gifle. Parce qu'il veut balayer. Il veut rester seul et positionner son premier ministre pour continuer. D'après lui, il pense qu'il peut continuer à diriger le Sénégal à travers M. Ba, le premier ministre. Il y a ce problème-là. L'autre problème, c'est que Macky Sall, dans son discours, malheureusement, l'homme a créé la machine et la machine a fini. Macky Sall dit que, et il évoque la corruption des juges. C'est très grave dans un système démocratique. Quand un chef de l'État évoque la corruption des juges,
au niveau du Conseil constitutionnel par rapport à ces recours qui ont été, à ces propositions de loi qui ont été déposées et validées. Donc pour lui, il faut reporter l'élection pour régler, vider ce contentieux, comme on dit. Or, il n'y a pas eu contentieux, il n'y a pas contentieux. C'est lui qui a créé cette situation, il a créé l'imbroglio. La justice a voulu se saisir, les gens ont saisi la justice, mais là-bas, il a mis son titre relationnel, c'est quand même le premier magistrat au Sénégal. Merci, merci. Je vais chuter, s'il te plaît, oui, je vais chuter, Stéphane. Voilà. Donc, maintenant, j'ai dit que Macky Sall se souvienne de ce qui s'était passé au Congo-Brazzaville en 1997. Le président du Conseil constitutionnel, paix à son âme, Maître Ambroise Hervé Malonga, il avait prolongé le mandat de Lissouba alors que ce mandat était terminé. Sassou Nguesso s'est fâché. Il a organisé une rébellion en 97 qui a coûté des milliers et des milliers de morts là-bas. Ça, l'Afrique, nous, les panafricanistes, les vrais, nous n'acceptons pas des choses comme ça. On ne permet pas qu'on détruise pour des ambitions politiques personnelles d'un individu, pour détruire tout un peuple. C'est inacceptable. Merci Antoine Awana. Simon Messengue, voilà un cas d'école qui interpelle. Le Sénégal hier brandit un élève premier de la classe sur les standards démocratiques. Aujourd'hui, on s'interroge où va ce pays alors que l'opposition déclare ne plus reconnaître dans quelques mois le président Macky Sall. Peut-on craindre une insurrection armée? Et je vais même aller plus loin. Peut-on craindre un coup d'État à partir du moment où on ne reconnaîtrait plus le gouvernement en place? Comment est-ce que vous appréhendez l'avenir, la vie politique de ce pays-là jusqu'au 15 décembre 2024? Moi, Stéphane, je me méfie souvent du moins de critiquer quelqu'un lorsqu'il est en plein exercice. Dans la mesure où nous parlons ici, nous ne sommes pas au feu de l'action. Donc, il y a quand même des critères sur lesquels on peut questionner les orientations prises par le numéro 1 sénégalais. Non, mais écoutez, je prends un cas de figure. Même la loi fondamentale d'un État est modifiable. Elle est modifiable selon certaines conditions particulières. Donc, une chose est sûre, c'est que je crois que dans certains pays, c'est soit un référendum, soit alors un vote parlementaire. Vous êtes quand même au courant, Simon Messengue, qu'au niveau de l'Assemblée nationale sénégalaise, il y a eu vote, mais les députés de l'opposition ont été exclus de la salle par la gendarmerie. Vous savez, ils ont été exclus par des mécanismes légaux. Bien sûr, c'est clair. Vous ne pouvez pas aller dans une institution et faire du désordre et croire que la démocratie ne veut pas dire le désordre. Et c'est manifestement ce qui se passe dans certains pays aujourd'hui. Moi, je voudrais dire que il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Et quand nous disons que le Sénégal passe une période assez délicate, oui, le nier serait être irresponsable. Et donc, personne n'est aujourd'hui à la place de Macky Sall pour comprendre les enjeux et les jeux qui se déroulent dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ce qu'il faut noter ici, c'est quoi? C'est que oui, effectivement, il ne pouvait plus briguer un second mandat, un troisième mandat, évidemment, il était en phase de laisser le pouvoir. Maintenant, s'il y a des situations, déjà qu'il y a trois morts, vous savez très bien. Oui, il y a des morts, oui. Il y a trois morts. Il y a des chauffourées dans le pays. Évidemment, des démissions en cascade du gouvernement. Nous ne pouvons pas accepter. Il faut noter une chose. Je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être même mieux qu'il y ait des assises au Sénégal plutôt que de rester dans la logique d'être dans on va aller aux élections, on va voir. C'est vrai que Simon Messengue, en complément des formations, le président Macky Sall a promis des grandes assises, une espèce de dialogue national avec toute la classe politique sénégalaise. Il y a eu aujourd'hui même, et notre rédaction a eu accès à un document des ex-présidents Abdou Diouf et même Abdoulaye Ouad, Maître Ouad, qui appelait au calme, qu'il ne fallait pas aller dans le sens d'une insurrection ou d'une guerre civile. On sent une ambiance tendue, on sent une classe politique divisée, on sent beaucoup d'interrogations et d'incertitudes quant à l'avenir. Le seul maître, ou alors le seul référent, c'est encore Macky Sall, qui lui-même, à un moment, semble avoir des méthodes qui peuvent être sujettes à caution. Non, je pense qu'aujourd'hui, la géopolitique de ce pays et même de l'Afrique de l'Ouest est très compliquée.
vous avez deux grands groupes de puissance qui se battent là-bas. Vous avez le coup d'État d'un côté et vous avez l'autre côté, ceux qui se disent être démocratiques. Ça va dans tous les sens. Et même la population sénégalaise est divisée sur ce prisme-là. Et justement, je pense que la meilleure approche est d'abord de mettre la pédale douce et de voir comment mettre la paix, parce que je préfère la paix, parce que les gens mettent tout, brandissent tout, la démocratie, les élections. Les élections, c'est vous, Sengé, la meilleure approche, ce n'est pas d'arriver à la fin de son mandat, et donc d'arriver à une élection libre et partie. Écoutez, si l'élection est un danger, vous faites comment? Qui vous a dit que... Parce qu'on prend ici, c'est parce qu'on a l'impression que l'élection est la solution miracle. Dès qu'il y a élection... Moi, c'est même ça, et ça me fait rire aujourd'hui. Ça me fait rire aujourd'hui parce qu'on est dans une situation où hier, on célébrait Macky Sall. On le célébrait en disant, oui, c'est le sauveur, ainsi de suite. Les Africains doivent être matures aujourd'hui. Ce n'est pas... des gens ont l'habitude de penser que celui qui était là, celui qui est là maintenant, c'est le diable en personne, et que celui-là qui est... Parce que j'ai vu vous parler de Sonko, moi je le trouve trop agité. Comme personne n'a dit qu'il a cru que la politique est au-dessus des lois. Et donc les gens sont dans une agitation comme ça, dans un populisme, ça va dans tous les sens, on casse partout, parce qu'on croit que non, la démocratie, on a toujours pris le Sénégal pour telle ou telle chose. Il faut noter une chose, les pays ne sont pas des mécanismes automatiques. Il y a des moments, des contextes qui permettent aujourd'hui. Je prends un cas de figure. Allez-y. Le Cameroun en 2019 a voté le président de la République en 2018 avec un programme clair. Et avec un programme clair qui prévoit que le Cameroun, sous ce régime-ci, est unitaire et centralisé. Avec la crise du nord-ouest et du sud-ouest, le président de la République a organisé le grand dialogue national. Vous avez très bien vu que de cela, on a essayé de mettre en place dans le même régime le système, mais en essayant de tendre un peu vers ce qu'on appelle aujourd'hui le parallèle, vous voulez vous faire avec la situation sur écoutez, ce que je veux justement, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la paix passe avant tout. Est-ce qu'il y a urgence à prolonger le mandat présidentiel? Oui, si la paix est menacée, oui. Est-ce que la paix est menacée? Oui, si la paix, bien sûr, nous sommes pas en paix au Sénégal. Si la paix est menacée, c'est ça le seul problème aujourd'hui, c'est parce qu'on nous vend une illusion, non, vraiment, comme c'est la démocratie, comme c'est fini. Les États ne sont pas automatiques. Si aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a justement les représentants du peuple qui peuvent être convoqués à tout moment pour leur dire, ok, voilà la situation, qu'est-ce qu'on fait? Et nous devons, la responsabilité du Sénégalais, c'est de respecter ce que les élus disent. Et sinon, on est dans l'anarchie. On ne peut pas se permettre. On a une assemblée qui va et qui trouve que, pour ce moment précis, au vu de ce que nous avons, voilà ce qu'il y a. Une assemblée qui a légiféré sans opposition. Si non, écoutez. C'est important ce qui s'est passé ici dernièrement. Elle dit que dernièrement, avec cette histoire de la dernière session qui s'est passée, où le groupuscule de députés d'opposition, sachant que s'ils allaient aux élections, à l'intérieur, ils allaient perdre, ils ont commencé à s'agiter. C'est comme ça que ça fonctionne. Groupuscule en termes de nombre, c'est vrai, groupuscule en termes de nombre. Bien sûr, puisqu'ils n'atteignent même pas un groupe parlementaire, pour le dire. Donc, ce qu'il faut dire ici, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas tomber dans ce piège de l'agitation démocratique qu'on nous présente. Il faut savoir que la paix passe avant tout. Si les députés qui sont des élus de la nation ont se rendu compte que, en ce moment précis, au vu de ce qui se passe, donnons-nous un peu de temps. Un peu de temps, ça a été fixé. On s'est dit, oh, ok, donnons-nous 6 mois. Pour mettre... pratiquement un an. Non, attendez. Si les élections se passent en avril, qui est le 4e mois, et que. Les élections sont prévues le 15 décembre 2024. C'est pour ça que je dis que si les élections devaient se passer le 2 avril, c'est ça. Même si c'est un an, où est le problème? Le problème, c'est qu'on fait une fixation sur la démocratie, on veut faire une fixation sur la paix et le développement. Merci. Ça veut dire que là où nous sommes là, Macky Sall n'a plus rien à perdre. Lui, il va partir. Maintenant, il doit laisser, il doit avoir une transition pacifique et démocratique, pas dans la tumulte. Ce qu'il trouve, c'est qu'il a consulté le Parlement, qui dit, ok, on peut prolonger pendant un temps, le temps pour nous de faire quelque chose, même un dialogue serait même idéal, pour le plan des choses. Et Stéphane, je me tourne vers vous.
La question se pose, à quoi faudrait-il s'attendre dans les prochains jours, prochains mois, du côté des Ziguinchor, du côté de Dakar, dans le marigot politique sénégalais? On a une classe politique, je le redis encore, assez divisée, puisqu'il y a des acteurs. Karim Wade, en l'occurrence, lui l'a salué. Cette prolongation de mandat présidentiel, parce que lui avait été éliminé par le conseil électoral. On avait estimé que du fait de sa double nationalité, il n'était pas éligible pour concourir. Mais son groupe a porté plainte au niveau de l'Assemblée, il y a eu des tractations, justement l'élection est prolongée. Il y a une classe politique, Khalifa Sall par exemple, qui se rassemble autour d'Ousmane Sonko, qui estime que c'est une atteinte grave à la démocratie et c'est une violation de la volonté du peuple sénégalais. Et il faut, et c'est l'appel de Khalifa Sall, que le Sénégalais descende dans la rue pour défendre le timing initial de l'élection. Alors, nous sommes aujourd'hui le 12 février, l'élection était prévue vers le 25. Est-ce que vous croyez qu'on peut encore revenir à l'ancien timing qui était prévu pour le 25 février? On ne va plus revenir à l'ancien timing, ça, il faut d'abord oublier ça. Et il n'y a que deux hypothèses maintenant au Sénégal. Soit le peuple reprend son pouvoir lui-même, parce que ça, il faut d'abord le dire, que le pouvoir appartient au peuple. C'est lui qui est le dépositaire. Donc, soit le peuple reprend son pouvoir, soit il attend que Macky Sall décide d'organiser les élections. Ce sont les deux hypothèses. Et je veux continuer en disant que si la date butoir arrive, je suis sûr qu'il y aura un regain de violence au Sénégal. Ça, oui. Il ne faudrait pas se le cacher. On a vu comment ça s'est passé. Pour le président a dit 2 avril, Macky Sall n'est plus reconnu comme président. En principe, il n'est plus légitime à partir du 2 avril. En principe, il ne sera plus légitime. Et on a vu comment ça s'est passé au Sénégal pour qu'il renonce au troisième mandat. On a vu que beaucoup de sang a coulé, oui, au Sénégal pour qu'il renonce au troisième mandat. Donc c'est une hypothèse qu'on se retrouve dans la même situation. Et je veux continuer en disant qu'il n'y avait pas urgence de faire ce que Macky Sall a fait. Il n'y a pas urgence d'un dialogue au Sénégal. Ça, c'est vraiment de l'escroquerie politique. Je dis, aucune situation ne justifie ce que Macky Sall a fait. On comprend simplement que, en fait, c'est un problème géopolitique et même géostratégique. Est-ce qu'il faut laisser le Sénégal basculer dans les mains d'un autre bloc? Oui. C'est la question fondamentale. Vous allez vous rendre compte que même la décision de Macky Sall de proroger son bail sur le plan géopolitique, quand vous analysez ça de fond en comble, ne vient même pas de lui. Ce sont ses maîtres qui lui ont dit: proroge le bail, on va te soutenir. On ne va pas dire maître, pour un chef d'État. C'est un maître. C'est partenaire. Ce sont ses maîtres. C'est partenaire, Paul Stéphane, s'il vous plaît. Si ça vous plaît, c'est partenaire. Oui, oui. Lui ont dit: monsieur, proroge le bail, tant qu'on réfléchit, comment trouver une solution, comment on pourra mettre quelqu'un qui pourra servir nos intérêts, puisque voilà, toi, la loi t'empêche de continuer ton bail. Voilà. Trouvez-nous donc quelque chose qui va nous permettre de gagner en temps, parce que si tu organises les élections maintenant, c'est clair que celui qui est censé te représenter va perdre l'élection. Oui. Du coup, Macky Sall crée donc ce qu'il a créé, ça permet de gagner en temps, de trouver des solutions, même comment casser l'opposition même. Alors, vous considérez que les condamnations de l'Union africaine, de la France, des États-Unis sont factices? Non, c'est comme il a dit, c'est du diplomatiquement correct. C'est le formalisme. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il faudrait quand même qu'on condamne pour qu'on ne dise pas qu'on n'a rien dit. On dit quand même quelque chose, mais dans le fond, en réalité, ce sont des pompiers pyromanes. Ils allument le feu et ils font semblant d'éteindre le feu. Donc, c'est simplement ce qu'il faut comprendre au Sénégal. Rien ne justifie la décision de Macky Sall. À quoi peut-on s'attendre? Je reste avec vous, la lecture politique est importante. Est-ce qu'on peut arriver à l'insurrection? Est-ce qu'on peut même imaginer un coup d'État lorsqu'on arrivera à un niveau de confusion où il n'y a plus de chef d'État reconnu et légitime? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Moi, je vais vous dire que je m'attends à une insurrection populaire. Oui. Et dans mes lectures, pour moi, il est possible que Macky Sall parte du palais sans s'en rendre compte même qu'il est parti, connaissant la mentalité du peuple sénégalais. Parce que le peuple sénégalais a quand même quelque chose de particulier, c'est que quand il décide de défendre son droit, il est capable de défendre son droit jusqu'à la gare. Et surtout qu'il y a quand même une société civile
bien constitué au Sénégal, il y a quand même une organisation au sein des partis d'opposition bien constituée. Ils savent quand même faire bloc pour des combats qui sont communs. Donc je dis, ce qui s'annonce au Sénégal lorsque le mandat de Macky Sall va véritablement expirer, c'est quelque chose de très dangereux qu'on ne souhaite même pas. Parce que connaissant les Sénégalais, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de morts. Je suis sûr que Macky Sall va regretter la décision qu'il a prise. Merci Paul Stéphane Manunga. Je m'aligne sur votre sortie. Et il y a des événements qui peuvent être susceptibles d'arriver, qu'on ne souhaite surtout pas au peuple sénégalais. Monsieur Bawa, là on est en plein dans des questions de gouvernance, de management politique, avec un exécutif qui a déjà exercé le pouvoir avec des résultats plus ou moins probant, mais aujourd'hui, arrivé à bout, à expiration, ça va encore. Peut-être qu'il faudrait encore être là et on utilise les instruments juridiques en sa possession pour prolonger son mandat. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'offre ou alors la réflexion que vous, en tant qu'expert, proposez pour un amorti de crise sénégalaise sans qu'il n'y ait ces morts que personne ne voudrait voir? Non, nous devons prier Dieu pour qu'il n'y ait plus mort d'homme. Et en même temps, nous devrons rester lucides que la question d'élection au Sénégal est une question géopolitique qui concerne... Vous rejoignez, politologue. Bien entendu, qui concerne le devenir de toute l'Afrique. Vous le savez, qu'on ne nous trompe pas. Il n'y a jamais, mais alors jamais de développement sans souveraineté. La question du développement émane essentiellement de la souveraineté de chaque pays. Et donc, des partis politiques qui sont à la recherche de la souveraineté, ce sont ceux-là qui travaillent réellement pour la jeunesse. Les partis politiques dont la problématique de la souveraineté ne leur intéresse pas sont des partis politiques au service de l'impérialisme, sont au service du sous-développement. Ont en leur sein des experts en politique de sous-développement. Je crois qu'au Sénégal, on en est là à une bataille qui oppose ces deux camps. Les camps qui travaillent pour l'impérialisme, que nous appelons les néolibéraux, et le camp des souverainistes qui veulent opérer une alternative pour aller vers le capitalisme communautaire national qui se dessine déjà dans l'AES. Et donc nous appelons à la jeunesse de se déployer davantage parce que c'est son combat. Le combat du développement est celui de la jeunesse africaine en général. Vous savez que Ousmane Sonko est en prison actuellement justement pour avoir incité cette jeunesse-là à descendre dans la rue. Est-ce que ça devrait encore multiplier d'autres morts pour des ambitions et des intérêts politiques au Sénégal? Ces trois qui sont annoncés depuis les échauffourées d'il y a quelques jours, c'est déjà beaucoup. En réalité, lorsque vous apprenez le combat géopolitique, le combat de système de gouvernance au peuple, il n'a plus besoin de descendre dans la rue. Il passe à ce qu'on appelle le vote utile. Le vote utile, ce n'est pas de remplacer seulement les partis politiques au pouvoir, mais de remplacer les systèmes de gouvernance, de remplacer les modèles de gouvernance. Parce que si vous perdez votre temps à remplacer le RDC par l'UNDP, vous ne gagnerez rien. Vous allez toujours rester sous-développé. Mais il faut remplacer tous les partis politiques néolibéraux en partis politiques d'un autre modèle de gouvernance. Si l'électorat sénégalais a déjà compris ça, elle n'a plus besoin de descendre dans la rue. Elle attend de pied ferme à sanctionner les partis politiques néolibéraux qui veulent s'éterniser au pouvoir au Sénégal. Merci. Bien que au Sénégal, je n'ai jamais apprécié leur démocratie, puisque c'est une démocratie néolibérale qui n'a jamais développé le Sénégal, qui n'a jamais servi le peuple sénégalais. Antoine Lawana, l'analyse panafricaine qui est enseignée et portée sur ce plateau, vous voulez quand même qu'on questionne les orientations idéologiques du président Macky Sall. Est-ce opportun
malgré toutes les tensions politiques qui précédaient même la date du 25 février, de se réaliser encore dans une autre tension, sachant que Ousmane Sonko de PASTEF est en prison, sachant que Karim Ouad ne sera pas candidat, on a l'impression que toutes les orientations politiques du numéro 1 sénégalais ne vont pas dans le sens d'un apaisement. Est-ce qu'il y avait urgence à renvoyer l'élection au Sénégal? C'est la question que tout le monde se pose. Pas du tout, pas du tout. Macky Sall a fait ses deux mandats, normalement. Le deuxième finissait, et puis on devait organiser une élection. Et lui-même délibérément, j'ai dit délibérément entre guillemets, il a dit qu'il ne brigue pas un troisième mandat. Mais subitement, avec des jeux, des calculs politiques et les dictats, les ambitions, l'agenda caché. Oui. Nous, on va tenir le discours panafricaniste des impérialistes qui l'avaient placé au pouvoir. C'est pas ça, c'est le formalisme. Stéphane l'a dit et il avait raison. Qui est même élu démocratiquement en Afrique? Dites-moi, un seul chef d'État. Même en France. Même en France. Non, aux États-Unis. Les élections sont truquées là-bas à un niveau élevé. Bon, on voit tout ce qui se passe avec. On vous fait voter Trump, Kyriel des procès, tout. On ne sait même plus ce qui se passe là-bas. Donc, on va saccager le Capitole, les symboles démocratiques des États-Unis. C'est terrible parce que, avec la nouvelle géopolitique, Stéphane Barga, il y a le général de Gaulle qui le disait. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. La France, c'est le Sénégal. Le Sénégal, c'est la France. C'est à peu près ce que le faux président Omar Bongo Ndimba disait. La France sans le Gabon, c'est comme une voiture sans volant. Et le Gabon sans la France, c'est une voiture sans carburant. Donc, les Français ne veulent pas lâcher prise au Sénégal. C'est ça le véritable problème. Et le peuple sénégalais est une foule qui sait faire foule et qui sait revendiquer ses droits. Or, lorsque vous voulez faire une mambasse sur ces droits-là, le peuple vous dit non, 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 c'est inacceptable. Voilà la situation. Mais tout le formalisme, tous ces mécanismes que que Macky Sall, avec ses amis impérialistes, sont en train de mettre sur place pour créer, parce que le problème, c'est de créer une crise pré-électoral et post-électoral pour dire, bon voilà, la situation intérieure et les circonstances extérieures exigent qu'il y ait une transition. Okay. On veut donc imposer cette transition au peuple sénégalais qui dit non. Antoine Awana, oui. À ce niveau, la transition prendra date à partir de quel moment? Voilà, du 25 février, décembre 2024, ou alors elle est déjà quasi actée avec cette continuité. C'est là où Macky Sall a encore développé un flou. Parce que quand il dit qu'il veut les élections, il reporte les élections en décembre. On s'interroge sur les contours de ce report-là. Puisqu'il n'a pas précisé la date, c'est les spéculations. Pourquoi il garde ce flou-là? On peut préciser que c'est le 15 décembre 2024. C'est le 15 décembre. Qu'est-ce qui vous prouve que quand il y aura le 14 décembre 2024, il ne va pas créer d'autres fruits? Parce que nous sommes là, c'est un hold-up politique. Et puis, là, le véritable problème de fond, c'est quoi? C'est l'opacité du système électoral, le fichier électoral au Sénégal. C'est ça qui énerve aussi les opposants. Le fichier électoral est opaque. On ne connaît pas ce qui se passe. Et c'est à partir de ce fichier électoral que les crises sont en train de naître. Et les revendications, tout s'agibute. Donc, en fait, ce genre de président, nous, les panafricanistes, on n'a plus besoin de ce genre de président en Afrique. Parce qu'il y en a marre, comme le mouvement le dit. Merci, merci Antoine Awana. Simon Messengue, les plus regardants vont vous rappeler qu'il y a quelque temps, lors de son passage dans l'opposition, le président Macky Sall lui-même avait demandé au peuple sénégalais de descendre dans la rue pour défendre ses droits lorsqu'il y avait eu cette séparation douloureuse avec le président Ouad. Aujourd'hui, le président Macky estime qu'il ne tolérera aucun désordre de descendre dans la rue, de marche, de grève. Le pays doit être quadrillé, tout doit être dans l'ordre. Est-ce qu'on ne va pas à ce niveau, ne serait-ce que dans
l'habitude politique africaine, penser quand même qu'à ce niveau, le président Macky aurait pu faire mieux en termes de séparation, en termes de transition, en termes de positionnement, en termes de stature politique, et laisser tout simplement que la démocratie suive son cours. Vous êtes arrivé à expiration de mandat, vous laissez la place à quelqu'un d'autre. Il y a un pays en Europe, je crois la Belgique, qui avait fait... Il y a eu une crise politique. Oui. En Belgique, je crois, depuis plus de 3 ans. Oui, c'est vrai. Et il n'y a pas eu de mort. Mais il y a 3 morts au Sénégal déjà. Oui, et avant, il y a même eu encore plus de morts, toujours au Sénégal. Il faut dire une chose, c'est l'irresponsabilité de certains hommes politiques. Et certains hommes politiques de l'opposition. Macky Sall l'a été, parce que justement, il doit comprendre. Parce qu'aujourd'hui, il est celui-là qui est le Léviathan de l'État du Sénégal. Et qu'ils comprennent aujourd'hui, et que ceux-là qui sont dans l'opposition comprennent que envoyer les enfants autrui, aller se faire tuer, est irresponsable. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque écoutez, vos droits sont violés, écoutez, lorsque la Constitution est écoutez, bafouée, écoutez, la grève est reconnue quand même. Écoutez. Vraiment, je crois que il y a des institutions au Sénégal. Il y a des institutions partout. On crie institution quand ça nous arrange. On dit l'institution, ce n'est pas bien quand ça ne nous arrange pas. Lorsqu'il y a une crise sociale, je crois qu'il y a des institutions comme le Parlement qui crée des lois pour encadrer cette crise et sortir de la crise. L'exécutif ne fera que faire ce que qui vient du Parlement et le judiciaire va s'assurer qu'il y a une forme de civilisation, donc une civilisation qui se met en place de telle sorte qu'il n'y ait pas d'égarement. Un homme politique dit aux gens, descendez dans la rue. Et il y a des morts. Le président Macky Sall lui-même l'a fait aussi. C'est ça ce que je suis en train de dire. Et c'est pour cela que nous, on se méfie des gens comme ça. On se méfie d'eux. Parce qu'on ne peut pas comprendre que si nous sommes dans un état sérieux, nous devons faire confiance aux institutions. Ils peuvent même s'égarer, mais on leur fait confiance. Dans les égarements. Même dans l'égarement, on leur fait confiance. Dans un premier temps. Parce que sinon, nous sommes dans un état de non-droit. Ce n'est pas comme si vous dites que bon, ok, comme la locomotive est en train de partir, dès qu'elle va comme ça, non, les wagons doivent. En tant que démocrate, vous validez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale sénégalaise où les députés ont été exclus et où écoutez, le mandat il y a un règlement intérieur dans chaque Assemblée nationale. Même dans votre média, il y a un règlement intérieur. Oui. Ça veut dire que si vous enfreignez ce règlement intérieur, on doit vous mettre hors. C'est ça dont il est question. C'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé au Cameroun dernièrement. Mais au Cameroun, même on a dit, ok, si vous continuez. Parce que justement, on sait très bien quand l'opposition est minoritaire, ce qu'elle fait. Elle fait l'agitation politique. Elle sait que si on va aux élections, parce qu'il y a une élection, parce que la démocratie, c'est quoi? C'est le respect de la majorité. C'est-à-dire que la majorité vote et c'est ce qu'on prend, on tient en compte. Et quand vous savez que vous êtes minoritaire, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous créez l'agitation et vous sortez en dehors des institutions. Donc ce qu'il faut dire aujourd'hui. Vous chutez, ce qu'il faut dire, c'est une minute. Ce qu'il faut dire aux Sénégalais aujourd'hui, c'est de ne pas détruire ce qu'ils ont construit. Si le Sénégal bascule dans la violence aujourd'hui, tous vont regretter. Merci. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3 familles qui regrettent. Ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 20. Rien, je dis bien rien. Rien ne justifie un mort. Donc, il est mieux, on dit souvent, un meilleur qu'un bon procès. Si on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est d'une des assises qu'il faut pour que l'État du Sénégal ressorte mieux de et qu'elle aille de l'avant, il n'y a pas mort d'homme. Je voudrais dire qu'un an, ce n'est pas comme si c'était un siècle. Un an, qu'on mette tout à terre pour que on se retrouve et que le Sénégal aille de mieux en mieux. Merci. C'était la dernière prise de parole sur ce plateau. Malheureusement, on ne pourra que sortir par ces inquiétudes concernant le pays et le Sénégal. On souhaite véritablement le club panafricaniste que la paix de cœur puisse se retrouver. On espère justement la sérénité et la lucidité quant à l'avenir de ces grands pays. Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique, merci d'avoir réagi à ce qui était dit sur Ouro Africa. Vous le savez, cette tribune panafricaine est exclusivement la vôtre. C'est là où se décident et se débattent les orientations politiques et idéologiques de notre cher et beau continent. Bien le bonsoir. Rediff.